Voilà. Normalement, on va bientôt être en live. Il faut tester le chat, si tu veux bien, ou je veux le faire. Ah non, bah tu joues, attends, pas t'emmerder. Voilà, tant que. Alors laisse-moi tester. Normalement, on est en live. Donc, yo les gens, et salut William, merci de m'accompagner. Salut. C'était quoi ça? Monsieur, il sait tout direct. On commence, il sait tout. Alors, je teste. Attention, ça marche parfait. Donc, potentiellement la fin, Dave, mais seulement si je joue bien. C'est-à-dire que je suis sûr de quoi. Bah là, oui, ça va dépendre de ta performance, malheureusement. Ok. Bon, écoute. Donc, t'es sur Sekiro, toi, tu nous as dit, hein. Je Ouais, pense que d'ailleurs, le temps que les gens arrivent, vas-y. ça s'entend pas trop, d'ailleurs, le son là. Non, pas. Vas-y, joue, continue là. Fais des trucs qui font du bruit, genre des attaques. Peut-être baisser un tout petit peu. Parce que là. Parce que je t'avoue que si ça s'entend pour le live, ça va être un peu chiant. Mais laisse un petit peu juste histoire d'entendre un peu les bruitages de ton côté. Enfin, je sais pas si ça intéresse quelqu'un. Ok. Donc là, lui. Et bonsoir, Andy. J'espère que tu Salut, vas bien. Andy. Donc je disais potentiellement à la fin du jeu si je joue bien. Et t'as William qui est avec moi en vocal et qui joue en parallèle à Sekiro. Alors, donc, Salut. 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 Et Suis-moi. suis-moi. Ok. Ouais, donc du coup, c'est t'as vu, ouais, t'as vu le premier boss du jeu, en fait, l'ogre là. Ouais, j'ai vu l'ogre enchaîné, qui avait l'air pas mal vénère quand même. Enfin, au début, quand tu connais pas le jeu, hein, mais. Je vais être très franc avec toi, je l'ai trouvé, enfin je l'ai vu le boss, et je crois que je l'ai tué au premier coup. C'est vrai? Ouais, j'ai trouvé très simple. Bon, après je l'ai joué à la Dark Souls, hein, c'est-à-dire j'ai fait des roulades, des roulades, j'ai pas tenté de pareil. Faut dire aussi. D'accord. Le jeu, il est le truc en fait, c'est qu'il est en fait il est horrible pour les gens qui. Non, surtout pas de spoil pour Unli. Hein. Moi, le seul petit spoil que j'ai eu, c'est un mini-boss ogre, voilà, enchaîné, et un samouraï. Bon, tu te doutes qu'il y a des samouraïs de toute façon Ouais, Unli voilà. hein, dans le jeu, donc c'est pas du spoil. Hein. Je sais plus ce que je voulais Ouais, il dire, ouais. s'appelle Yamaushi, comme le. Ouais, bah c'est un De sous-boss. Nintendo. Ouais, du coup, ce que je voulais dire, ouais, c'est que le jeu, il est horrible pour les gens qui jouent à Dark Souls, parce que, enfin, qui sont habitués, parce que ça joue avec tes réflexes, en fait. Toi, tu vas avoir le réflexe de faire la roulade, en général, ou de faire le dash. Ouais. Mais pas d'esquive, là. Sauf que c'est. Des fois, ça peut être le mauvais choix qui peut te Merde. tuer, justement. Fait de la merde. Ça peut être le choix qui peut te tuer, justement, des fois. D'accord. Et du coup, voilà, quoi. Moi, ça m'est arrivé souvent, bah, à la place de faire un contre ou de sauter pour faire un contre-attaque sauter, bah, de faire une esquive et du coup, bah, ça m'a tué, quoi. Mais ça va, le jeu n'entame pas trop ta patience. Non, ça va. Il y a quelques moments où, bon, je me suis pas énervé, mais j'étais en mode, ça, c'est chaud quand même. Mais sinon, ça va. Ok, ça passe, je me suis fait avoir bêtement alors que c'était très facile. Oula. Je ne sais pas. Ah merde! Lol. Alors attends. Comment tu veux que je fasse? La mine, Mais faut c'est savoir chaud! que. Non mais la mine, il faut savoir que tu peux la. Il faut que tu. En fait, comment dire. La mine, tu sais que tu peux la. Voilà, t'as compris. J'ai tiré T'as en l'air, compris. c'est quoi cette merde? C'est débile. J'ai tiré en l'air, j'ai appuyé sur le haut. Hein. Il faut pour que ça aille plus en l'air, il faut mettre arrière. Putain. Sérieusement, quoi. Par contre, il faut que tu. De préférence, il faut que tu. Pff, ça y est, ça commence à faire n'importe quoi. Tu vois, je comprends un truc, je sais comment faire, mais le jeu veut pas me. C'est pourtant logique d'appuyer sur en haut. Je sais pas, quand tu lances en haut, en hauteur. C'est. Non, c'est moi qui suis pas logique. Faut que tu lances. C'est fou. Puis il faut que tu laisses la mine dans ta main pour que le compteur il s'épuise un peu pour que ça puisse exploser sans rebondir sur les murs et s'attirer sur la tronche. Ah, je dois attendre. Ouais. De Non, parce que attends, préférence. attends, on va essayer d'éviter de faire de la merde parce que là ça commence, tu vois. Je suis de retour au début, oui. La rupture farm. Par contre, si t'as. Par contre, je te préviens que quand tu joues Sekiro, il faut être extrêmement patient. Parce que si tu t'énerves sur le moindre truc. En plus, c'est ça d'ailleurs dans Sekiro, c'est que le moment en fait où tu t'énerves, t'as perdu. Voilà. Mais Faut jamais s'énerver dans en fait, tu Sekiro. sais, j'ai remarqué un truc. Jamais. J'ai remarqué un truc, c'est que la patience, ça dépend aussi beaucoup, non pas de la difficulté du jeu, mais de comment il est fait, tu vois. Parce qu'on me disait pendant un live, tiens, attends, je me concentre. Je ne sais pas. Oui. Me concentre. Ouais, on me disait quand. Et salut Emeline, bonsoir à toi, j'espère que tu vas bien. Salut, salut. Et ouais, on me disait, je crois que c'est Only qui me disait ça en live.
Tiens, comment ça se fait que tu arrives à avoir de la patience pour Abe et que les Souls tu aimes bien, tu vois? Et je pense qu'ils sont faits totalement différemment en fait. Là, c'est un système de cran qui est vachement exigeant. Par contre, on entend pas mal ton jeu, Chiro. Bah, désolé, bah, dès qu'il y a du combat. Hein. Je t'avoue que pour le live, c'est pas ouf. Voilà, on entend plus, là, c'est bon. Non, là, c'est bon. Ok, il va. Est-ce que j'ai activé le levier? Bah oui, sinon je pourrais pas passer. Ok. Donc là, je passe la porte. Ouais, je suis revenu au début, du coup, Anli. Rupture Farm. Oui. Là, c'est un moment où tu vas pouvoir sauver pas mal de mules de con, hein, donc profites-en. Ouais. Là, c'est soit tu vas à droite pour continuer le jeu, soit tu vas. Oh bordel, c'est quoi ce truc? Attends, on me suit là. Cette merde. Ah, d'accord. Ok. On va posséder le coco. Fauviste. Alors, je me souviens qu'on pouvait appeler le chien, comment on fait déjà? Je crois que c'est L1 ou R1 carré. Et... Attends. Ah, je peux l'envoyer aussi, attends. Ouais, enfin, fais gaffe de pas l'envoyer sur un mono con. Non, t'inquiète. Parce que si l'envoie sur le mono con, il va le ah, ok, d'accord. Et donc là. Merde, j'aurais peut-être pas dû le tuer. Ah, attends. Bah, ça dépend. Ah, peut-être pas t'en dû t'en le tuer. Pas... Ah, je vais peut-être. De... Ouais, tu vois, j'aurais peut-être dû moi. On avait pas nécessairement besoin. Ça s'avère sur quelqu'un d'autre. De toute façon, les chiens, ils ont qu'une seule utilité, hein. C'est d'atteindre des sligues que tu peux pas tuer toi. C'est un seul intérêt, mais là je crois qu'il y en a pas. Donc. Ok. Oula. Mourir. Oh, j'ai failli crever. Ok, on va essayer de passer. J'imagine qu'il y a un truc à faire. Ou pas. Oh attends, putain, c'est quoi cette merde? Combien t'en as de me sauver là? What the fuck. 13, c'est pas beaucoup 13. À mon avis, j'aurais pas la bonne fin. Bah, on va voir. Déjà, tu sais que tu peux en sauver une bonne quinzaine à gauche là. Putain, attends, je fais une boucherie là. What the fuck. C'est là où tu m'as dit qu'il y en avait une vingtaine là? Ouais, je sais plus. Du coup, ouais, tu peux en sauver une bonne quinzaine ici, là où tu es, je crois. Une quinzaine? Une bonne quinzaine, je crois, ouais. Voire une vingtaine. Ça risque d'être compliqué. Et n'hésitez pas à me dire dans le chat s'il y a le retour du problème de mono, parce que j'ai modifié quelques trucs dans les paramètres. Normalement, ça devrait aller, j'espère en tout cas. Là, tu dis qu'il y en a une quinzaine par là. Ouais, là où tu es, bah dans le. Parce que là, c'est pour continuer le jeu là. Là où tu vas là. Là où il y a la porte, là, c'est pour continuer le jeu. D'accord. Si tu vas là, il y aura plus. Je me suicide ou comment je fais? Bah, tu te. Oui, tu le stick, tant pis. Tu le tues là. Pas un truc à faire à gauche, je vais aller voir. Ah, d'accord, il y a ça. Alors. En fait, tu dis il y en a une quinzaine. Putain, je suis à 13 évadés, c'est ça? Ouais. Et il m'en faut 45. Bah, à peu près, oui. C'est-à-dire que là, il faut que je fasse tous les trucs durs, les trucs S et tout, les super passages secrets, quoi. Bah, essaye. Je crois que je vais juste le finir normalement, en fait. Hein. Bah, tu fais ce que tu veux, hein. Si tu veux aller plus vite, ignore-les tous. Hein, mais par exemple, à partir de là où j'en suis, précisément. Si jamais je les sauve tous à partir de maintenant, est-ce que j'aurai l'occasion d'en avoir au moins 40... combien? 45 ou 49, je sais plus. Bah, je pense, oui. Normalement, oui. Déjà, si t'en sauves une... Je crois que, ouais, je me sens qu'il y en a une bonne quinzaine, là, ici, à sauver. Donc là, déjà, t'en auras presque 30. Et en sachant qu'après, ensuite, je crois qu'il y en a encore... encore une bonne trentaine, je dirais. Non, parce qu'après, ça va être le coup des salles spéciales super difficiles et tout. Moi ce que je propose, c'est qu'on finisse le jeu normalement. Bah, finis le jeu normalement. Et, puis, et en off, je capturerai... Bah, si tu veux finir le jeu normalement, bah, OCF des mines de con alors. Parce que c'est que pour sauver des mines de con, là. Ouais, je pense que je vais le finir normalement, oui. Ok, bah, sinon, bah, droite, sinon, je pense que j'en ai encore pour deux lives et ça va prendre beaucoup trop de temps. Bah, va à droite, alors. Mais je le ferai moi-même. Je pense que je le ferai de mon côté. Ouais, bah, c'est une botte, hein. Comment? Je disais si ça te botte, si t'auras la patience. Oui, non, mais au moins le 1 après l'Exode, je sais pas si je ferai la même chose. L'Exode, bon, enfin c'est mieux que tu fasses un autre jeu. Ouais. Parce que j'ai bien vu que c'était pas ton délire. Bah, avant de dire ça, j'ai envie d'essayer le 2 quand même, parce que j'ai trouvé qu'au niveau du level design, il était peut-être un peu plus sympa. Voilà, attends. Bon, là déjà, ça coûte rien que j'amène celui-là. Quoique, non, allez, on va pas. Je vais pas faire du entre-deux, je vais.
Je vais m'écouter. Mais du coup, ouais, non, c'est oui, Sekiro, bah, c'est un digne jeu de From Software. J'ai eu quelques frayeurs au niveau de la fameuse résurrection, tout ça, ou d'autres trucs, mais Niveau de la voilà. résurrection. Ouais, tu peux résister quand tu meurs directement sur Ah place. oui, mais il faut avoir des objets spéciaux, non, je crois. Non, mais disons que faut faire attention avec ça. D'accord. Et puis c'est pas de trop, clairement. C'est clairement pas de trop. Ah mais là on se retape la cinématique que j'avais déjà eue précédemment dans un des lives précédents là, le. Oui, bah c'est pas grave. Et du coup, voilà quoi. Et t'en es vers la fin du jeu du coup? J'en sais rien. Non, je pense pas. Je pense que je suis peut-être parce que peut-être à la moitié, presque, peut-être, je sais pas. Et Je sais pas. les boss tu les bats facilement ou tu galères? J'ai l'impression que les boss normaux, bah, qui sont au chemin principal, je les bute assez facilement. Par contre, les sous-boss, bah, je sais pas, là, j'ai eu un boss, bon, je sais pas plus ce que c'est, mais une espèce de boss qui enchaîne énormément d'attaques, et du coup, bah, c'est assez simple pour monter sa jauge de posture, on va dire, et du coup, pour le tuer rapidement, quoi. D'accord. Alors attends. J'ai possédé un Parce que là, slig. tout le délire du jeu, ouais, c'est d'augmenter la jauge de la posture de l'ennemi pour pouvoir lui infliger le fameux coup mortel. Et D'accord. paradoxalement, il faut plusieurs coups mortels pour tuer les sous-boss. Enfin, il faut deux. Il faut faire deux coups mortels et après un coup mortel final. Coup mortel final, paradoxalement. Ah merde, je suis baisé. Il a dit qu'il fallait utiliser un slig pour passer le poste de sécurité. Bah oui. Là, si tu l'as pas, tu peux te suicider, hein. Attends, Tu attends, y a un peux te truc là. suicider là. Hein. Rupture farm, employé en poste 99. C'est le coup des trucs où il faut parler dedans, là, tu peux te suicider là, hein. C'est pas la peine. Tu peux recommencer. Cool, sympa. Enfin, le prendre personnellement, mais t'as compris ce que je veux dire, quoi. Pourquoi il me fait aïe? Ah, il fallait dire aïe en vocal, putain. Ok, d'accord. Je viens de comprendre. Je viens de comprendre le boulon. Et donc Sekiro pour l'instant tu recommandes pas à tout le Bah oui, monde, non. pas ceux Oui, qui n'ont énormément. pas de patience comme moi. Bah ça dépend parce que le jeu clairement il est dur à prendre en main. Il est T'as mis clairement combien de dur temps pour le à. prendre en main toi? Je sais pas, mais là franchement, moi très sincèrement, je ne veux pas l'avoir totalement pris en main encore. Je dois avoir Mais peut-être. est-ce qu'il y a, parce que j'avais lu cette critique, Oui. un vrai sentiment d'impact dans les combats, genre tu sens qu'au bout de ta lame tu te confrontes qu'à des ennemis puissants, Ah bah oui, ils te clairement. font trembler et tout quoi. Bah oui, clairement. C'est le Clairement. côté contact qui me plaît, moi, qui me. Clairement, oui. Parce qu'il y a beaucoup de jeux où tu slashes des ennemis et t'as l'impression de slasher du vent, tu vois. Ah Genre bah par non, exemple, clairement. Nioh, de ce que j'avais vu, tu tapes un peu dans le vent, des fois t'as l'impression que tu te bats contre des espèces de trucs d'ombre, des fantômes, des machins comme ça. Là, j'ai plus l'impression que tu sens que tu tapes sur des trucs physiques qui t'opposent de la résistance. Et Bah là, ça me plaît. clairement, là. Hein. Clairement. Ça me plaît. Et la direction artistique a l'air folle quand même. Bah ouais, c'est ouais. Et je Notamment trouve ça le très. passage que t'avais montré là, à moitié en flamme avec de l'eau et tout là, avec de la Ouais. pluie, les trucs en fond. Ouais, j'aime beaucoup, ouais. C'est très sympa. Mais ouais, pour les coups des impacts, là, bah, y a qu'à voir les bruitages, le sound design, et puis l'ambiance, et les combats, les musiques, etc. Pas de manière générale comment les combats sont faits, bon. Bah déjà, les combats. En fait, ce qui rend les combats passionnants, c'est que comment dire. Bon, c'est ça aussi qui le rend difficile. C'est qu'en fait, le jeu. T'oblige à enchaîner les ennemis en fait, c'est-à-dire de les taper en continu, ne pas faire de pause. En général, quelqu'un il va prendre le temps d'observer l'ennemi, de, tu sais, dans Dark Souls par exemple, bah, t'enlèves la barre du boss et puis voilà Attends, quoi. attends, attends. Désolé, là je te coupe parce que je comprends pas. Il faut que je retienne des cris et j'arrive pas à les. Bah, tu reproduis 2 ses secondes. skis, ouais. Aïe. Ouais, c'est tout. Ok. Ah d'accord, je peux pas, je dois changer d'écran et. Tu te casses de là et tu reviens, je crois. Ah non, c'est bon. Ah, je dois attendre, c'est comme les Mudokons, je crois. Oui, c'est pareil. Bah, je l'ai fait, ils se foutent de ma gueule ou quoi? Ah, ok. Oula, par contre, y en a un qui est. Qu'est-ce qui. Comment ils veulent que je le bute lui? Ah, bah, je reprends. Hey, bah, je suis con. Ah non! Regarde.
Putain, si je l'avais pas eu, je serais mort. Parce qu'après, l'autre, il m'aurait défoncé. Bon, du coup, je sais plus ce que je voulais dire. On parlait de oui, DA. Donc, oui, donc le jeu, il t'oblige à enchaîner les ennemis, en fait, vis-à-vis de la jauge de la posture. Ouais. Parce que les ennemis, ils ont de la vie. Mais la vie, elle descend très, 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 très lentement. Donc, si tu veux les tuer... Enfin, c'est comme si, par exemple, un boss de Dark Souls, bah... comment dire? C'est comme si un boss de Dark Souls, je te vois avec tes stressés. Ah oui, mais j'ai vu plusieurs barres d'énergie, genre au moins deux parfois, hein, certains boss. Parce qu'en fait, t'as pas vu la barre jaune là qui se remplit là au milieu là? Si, c'est quoi? C'est comme un peu de l'endurance? C'est la jauge de posture en fait. Il faut les taper, il part des fois des attaques. Et j'ai pas compris comment elle fonctionnait. C'est pas comme la jauge d'endurance, ça a rien à voir avec la jauge de Dark Souls d'endurance. Non, rien à voir. C'est-à-dire qu'en fait, quand cette jauge de posture elle est épuisée, bah, ils vont montrer un point faible, non? Et là, tu vas pouvoir les planter pour leur retirer oui, une barre ça. Ou un truc comme ça. C'est ça, voilà, c'est ça. C'est quand elle est remplie totalement, et bah c'est là où tu peux leur enlever, c'est tout l'intérêt du jeu Ah, en mais fait. c'est pour ça, parce que moi j'avais vu une vidéo où le mec il savait pas jouer, il épuisait pas la barre de posture, du coup, le boss il devait taper au moins 50 fois pour le tuer, quoi. Et Ah bah oui. c'était insupportable. Ah et voilà. C'était contre l'ogre d'ailleurs. Ouais bah voilà. Et le combat Bah il était le. Je ne interminable. sais pas. Bah le gars il est normalement t'es enfin, t'es pas obligé mais c'est mieux d'enchaîner l'ennemi pour que sa jauge de posture se remplisse très rapidement voilà parce qu'après elle se si tu tapes pas l'ennemi en fait si tu tapes pas l'ennemi assez souvent bah la jauge de posture elle va se revider et du D'accord. coup si elle se revide bah là t'es l'air con Et dans le chat, est-ce que ça vous donne envie Sekiro? Parce que c'est vrai que c'est totalement différent en termes d'ambiance des Dark Souls, quoique. Je dis ça, mais c'est l'ambiance samouraï. Mais ils ont quand même mis des bêtes fantastiques non mais dans c'est l'esprit de même Dark Souls. Au niveau de ce qui se passe, au niveau de l'ambiance, au niveau des dialogues et tout, tu sens la patte de From Software. Déjà rien que le début, l'intro, enfin pas l'intro, mais la première toute première séquence au tout début du jeu, c'est un énorme clin d'œil à Dark Souls. C'est vrai. C'est même pas un clin d'œil, c'est enfin, c'est même pas un clin d'œil à ce niveau-là, c'est t'as pas joué. D'accord. Ah, par contre, là où je suis, c'est la suite du jeu ou non? C'est juste pour sauver des potes, quoi. Bah de toute façon, oui, enfin, de toute façon, t'es obligé d'aller ici. T'es obligé d'aller ici, de toute façon, faut que tu. Le but, c'est d'activer les portes ou je sais plus quoi pour. Voilà. Ah oui. Mais je crois qu'en fait, je crois que là, le jeu, il t'oblige à sauver les mines de con. Je crois. Sérieux? Enfin, je crois qu'il t'oblige à les sauver ici. Activer ça. Ouais, d'accord. C'est quoi ça? Ah oui. Ok. Ça me donne envie pour tester car j'ai fait en sorte de me renseigner sur rien du tout au point que je ne sais même pas quel type de jeu c'est. Ah oui, à ce point-là? Ah, moi je me suis déjà fait spoil de boss et tout le système de barre de posture, etc. Donc là, il faut que j'aille où, putain? Mais bon, tu regrettes pas du tout ton achat là, en attendant. Mais je trouve très très dur à prendre en main. Plus dur qu'un Dark Souls parce que comme j'ai dit, il faut plusieurs types de réflexes. Si l'ennemi il fait un coup d'estoc, il faut avoir le réflexe d'appuyer sur rond pour faire un contre-mikiri, ça s'appelle. C'est pas encore le même type de contre que les autres contres. Pareil, t'as deux solutions en fait. Soit quand il fait un coup d'estoc, donc avec une lance ou même avec une épée, Je ne sais soit pas. tu t'appuies sur rond pour faire le contre-mikiri, donc ton personnage en fait il va. Comment dire, il va mettre son pied dessus en fait sur sa lame du mec et du coup ça va augmenter, ça permet d'augmenter la, comment dire, de faire beaucoup, pas mal de dégâts à la posture de l'ennemi. Oh putain, je comprends rien. C'est quoi cette merde? Qu'est-ce que je voulais dire? Et soit ça, soit quand le mec fait une attaque balayage, il faut sauter par-dessus pour faire un compte d'attaque sautée, donc il faut appuyer sur la touche pour comme si tu voulais faire un saut mural sur l'ennemi. Et du coup là c'est pareil, sa jauge de posture elle va se remplir rapidement. Enfin elle va bien se remplir plutôt. Et ensuite il y a quoi déjà? Ah oui, quand ils font des chopes là par contre faut esquiver ça. Donc en fait Putain, mais d'où c'est il... très compliqué. Très très compliqué comme gameplay. Enfin comme je dis la plupart du temps tu auras le réflexe d'esquiver mais c'est jamais le bon réflexe. Enfin, c'est jamais le bon réflexe. C'est le bon réflexe dans certains cas mais pas dans tout le temps. Ça m'est souvent arrivé de mourir parce que bah, justement à la place de faire un contre ou de sauter, bah, j'ai esquivé. Et il fallait pas. Mais comment tu veux que je survive là? Il va me tuer lui. Possible. Mais what the fuck? Là, je comprends pas là. Bah, moi ce que j'ai compris c'est que t'as plusieurs solutions. Hein. Bon, c'est chiant, on y retournera plus tard. Ah, je suis comme ça. Donc, énigme suivante. Ok, il a pas Enfin, sauté. énigme, je passe un peu mes énigmes. Quand même un peu, c'est les casse-têtes. Hein.
Ok, donc. Est-ce que je peux au moins activer le truc avant que l'autre il m'attaque en haut? Non. Génial. Ok. Va lui dire de venir. Putain, mais il y a tellement de boutons, il y a 8 boutons différents, je sais même plus comment on les dit de venir. Hey boy, ok. Ah oui, je peux pas passer moi en dessous. Et la musique, ça donne quoi sinon? Ou quoi dans Sekiro? Ouais, c'est Kiro. Ah, très bien. On l'a très dit. Et si tu compares le jeu à Dark Souls, le premier, t'en penses quoi pour l'instant? Tu dis que c'est mieux, moins bien? C'est pas comparable. C'est pas totalement comparable en fait. Tu peux comparer certains éléments quand même, genre la Oui, on peut difficulté. se certains éléments, mais c'est tout. Après, au niveau du gameplay, ça restait extrêmement différent. La difficulté par exemple, tu peux comparer. Pour moi, c'est plus dur. Hein? C'est plus dur. Après, de toute façon, rien que le fait d'avoir plusieurs types de réflexes à emmagasiner, déjà, c'est juste ça, c'est pour te payer. Parce que dans Dark Souls, de toute façon, bah, t'as un réflexe, la roulade, c'est tout. Là, on te demande d'avoir. Attends. 1, 2, 4 réflexes différents, on te demande d'avoir. Ah d'accord, il m'a tué. Donc, voilà quoi. Surtout quand la plupart du temps, c'est des trucs où t'as une seconde, moins d'une seconde ou une seconde pour réagir, quoi, des fois. D'accord, et c'est quoi comme type de réflexe à part attaquer et esquiver? Parce que... Bah, je vous ai dit tout à l'heure, je vous ai énuméré. Il y a la contre-attaque. Y a la contre-attaque, l'ennemi tape. Donc, appuyer sur la garde au moment où il touche. Ensuite, soit y a le contre-mikiri, donc quand il fait un coup d'estoc avec une lance ou un coup d'épée, bah là, tu appuies sur rond au moment de l'impact, comme pour faire un contre. Sauf que l'ennemi, enfin, ton personnage, il va pas contrer comme pour faire une contre-attaque, il va prendre son pied, enfin, pas prendre son pied, mais mettre son pied sur la lame de l'ennemi, en fait, et du coup, ça va augmenter sa posture. Pas mal. Il y a ça, ou alors quand ils font une attaque balayage, quand ils balayent, quand ils font une attaque balayage, genre un coup d'épée circulaire ou un truc comme ça, ou un coup de lance circulaire, ou je sais pas quoi, bah, il faut sauter par-dessus pour, comment dire, leur sauter dessus en fait aux ennemis, faire Ouais. comme dans Mario. Et du Ok. coup, ça augmente la posture aussi, ça, enfin, ça permet pas mal d'augmenter la posture à l'ennemi. D'accord. Et pourquoi? Et ensuite, quand ils font des chops ou quand ils font des attaques, voilà, bah, il vaut mieux esquiver, enfin, il vaut mieux faire pas d'esquive, sinon tu te fais niquer ou sauter aussi. Je viens de Et comprendre un voilà. truc. Quand je fais l'envoûtement à côté d'une machine, elle me dépouille de mes grenades, elles tombent par Oui, elles terre. explosent et voilà. Ok, d'accord. C'est ça que j'avais pas compris tout à l'heure. Ok. Donc, je fais une save ou pas? Allez. Donc je vais me faire baiser là. J'ai le feeling pour les saves en général, Ryan. Non, quoi que ça va le faire. Je passe en mode tranquillou. Ah non, si je vais à droite, je vais me faire baiser. Autant aller en haut. Ah non, je peux pas posséder, merde. Comment faire? Je suis baisé là. Parce que si j'active l'interrupteur, il va se réveiller, je vais mourir. Ah, peut-être exploser la machine. Là, je dis rien. Problème, c'est que je vais tuer mes potes si je fais ça. Désolé. Oups. Ah, j'ai pété la machine. C'est bon. J'espère que c'était ça. Ah oui, c'est barré lui. Oh le bâtard. Est-ce qu'il va revenir au bout d'un moment ou... Reviens s'il te plaît. Reviens s'il te plaît. Allez hop. Ah, tu vois, je vais descendre, il va me niquer. Sûr.
Oh putain, c'est quoi cette merde? Mais what the fuck? Mais genre, tu peux le deviner, ça, putain. Et sérieusement. Eh, on se calme. Oh, c'est insupportable. Pff, allez. On est d'accord, je te possède. C'est plusieurs types de réflexes, c'est compliqué. C'est très compliqué. Attends, je vais regarder un peu le chat. Et bonsoir Kukomi, j'espère que tu vas bien. Salut Kukomi. Pour l'instant, c'est un peu la galère, je vais pas te le cacher. Attends, ça me donne. Oui, il va pas venir. Attends, parce que j'arrive pas. Attends, je vais être obligé d'aller sur ton live en fait. Mais il est parti où le chien, putain? Tu sais pas, tout à l'heure il est revenu, là il est parti. Calme-toi. Il n'y a pas de logique. Ce truc est pas de logique. Explique-moi du coup. Non, j'ai dit ça pour. Putain, mais. Ouais, comme tu disais, l'IA du chien, c'est n'importe. C'est. C'est un peu bizarre, elle est un peu bizarre, l'IA du chien. Après, elle est peut-être meilleure que l'IA des personnages de Sekiro, on sait pas. Hein. Attends, ça me donne envie de tester car j'ai fait un sort de ne me renseigner sur rien du tout, au point que je ne sais même pas quel type de jeu c'est. Je sais juste qu'il y a des ninjas. Je sais pas, dans les Souls. Et course. Oui, non, mais je sais, j'ai pas dit qu'il y avait pas de parade dans les Souls. J'ai dit que dans les Dark Souls, t'es pas obligé de savoir parer pour finir le jeu. Moi, toutes les fois où j'ai fini Dark Souls, moi, à aucun moment j'ai utilisé la parade. Hein. À aucun moment j'ai utilisé. Hein. Donc voilà. Alors que dans Sekiro, si tu veux faire le jeu sans parer, bon courage. Bon courage. C'est pas possible. Hein. Vais-je me faire baiser? C'est la grande question. Bon courage pour faire Sekiro sans parer, à aucun moment dans le jeu. Je te souhaite bonne chance. Je crois que j'avais vu un mec sur internet, il avait montré qu'il avait fait le jeu sans parer. De quoi, dans quoi, Sekiro? Ouais. Oui, bah, j'ai pas vu le let's play parce que c'est un spoil. Mais... Ouais, enfin, c'est. Alors, soit c'est un menteur, soit. Enfin, je sais pas. Bon, attends, je réfléchis là. Parce que prendre le jeu en main aussi rapidement et connaître déjà tous les trucs par cœur et tout, alors que le jeu il est sorti à peine il y a quelques jours, non, ça me semble impossible. Bon, c'est d'être un gros mytho, les gars. C'est un gros mytho. Attends, si j'amène le slig à gauche. Ah, mais non, c'est impossible, je me fais baiser. Mais si je fais la boule, il va me tirer dessus. Non, mais je suis baisé là. Je peux pas l'amener, je peux pas aller tout à gauche. Si ça se trouve, je dois aller tout à gauche pour attirer le slig. Je vois ce que tu veux faire en fait. Je comprends pas la logique du jeu en fait. Tu les as sauvés les Mudokons, moi ou pas? Je m'en branle les Mudokons. On a dit qu'on les sauvait pas tous dans ce let's play. Je veux juste finir le jeu. Ah oui, non, il faut juste activer le levier. Bah, si t'actives le levier, tu vas te faire bouffer par les chiens, non? Exactement, je me suis fait bouffer tout à l'heure. Le problème c'est qu'il y a ce putain de robot qui me fait chier, donc il faut que je l'explose avec une grenade. Sauf que si je l'explose avec une grenade, déjà c'est extrêmement compliqué parce que la grenade, si elle est à côté du bord, elle a tué les Mudokons, nos potes là. Bah tu t'en fous, t'as dit de son Mudokons. Ouais, mais je veux dire, c'est pas la vraie solution, parce que la vraie solution normalement, t'es pas censé tuer tes potes. Pour moi c'est pas logique. À moins qu'il faille les amener avant. Sauf que si tu les amènes avant, tu vas réveiller le slig. Donc pour moi ça n'a absolument aucune logique. J'essaie de réfléchir. De toute façon, je sais que t'es obligé de le posséder, t'es obligé de les buter les chiens, Sandra. Attends, si tu les butes pas les chiens, tu t'arriveras jamais à finir le truc. Donc à partir de là. Et ce jeu est tellement bizarre, putain, c'était. Bah, faut composer avec ce que tu sais. C'est tout. Mais je pense qu'il y a des choses que tu sais pas ou que t'as pas enregistré, du coup, bah, dans ta tête, c'est pas logique, alors qu'en fait, bah. Si t'avais peut-être été dans d'autres situations, je ne sais quoi, ou que t'es cherché là. Déplace les Mudokons, comme il dit. Et je vais faire ça. J'avais même pas pensé. La première fois depuis 10 heures de jeu que je fais ça quand même. Je fais suis-moi. Bah si, clairement si ça te saoule de devoir manipuler les Mudokons et tout, joue pas à l'Exode, hein, c'est pas la peine. C'est vrai.
Parce que l'Exode, c'est que ça quasiment. Il y a énormément de. Vu qu'il y a 300 000 points à sauver, mais il y a énormément de phases. Mais pourquoi c'est l'autre qui me suit, putain? Je veux que ça soit l'autre qui me suive. Lui. Lui, je lui dis de se poser. Attends un peu que l'autre il travaille, il se mette à travailler. Non mais attends juste. Quoi? C'est l'autre. Ah, je pensais que tu parlais de l'autre. Ok, j'ai compris. Lui, attends, tu lui dis attends et t'attends un peu qu'il aille se, qu'il se pose là. Ok. Il se posera, bah là tu lui parles tout d'un côté, voilà. Stop, arrête-toi. Ok. Donc en gros. Ça, il le corrige dans l'exécution. En gros, ça, ça va me permettre de péter la machine. Sans, bah, sans si les tuer. Bah, si tu joues bien, c'est pas nul. Et donc là, je m'étais mis là. J'avais tiré à gauche. Ah, mais non, mais si je tue le slick, je suis baisé quoi. De toute façon, là, la mine, elle va, la bombe va atterrir dans le vide. De toute façon, elle va dans le vide, mais sur le sol en bas. T'es sûr? Bah, oui. Vas-y, hein, mais ça va tomber. Voilà. Je l'avais dit. Ok, pas grave. Ah, parce que je suis... Ok. Voilà, c'est pas chaud de tuer les chiens. Tu mais pas les putain, chiens, lui, il se barre là. Enculé. Qu'est-ce que je veux faire? Il va pas revenir, j'ai déjà testé. Hein. Bah, essaie de l'attirer. S'il te voit, tu te casses à l'écran droite. Quand il arrive, tu te recasses à gauche et puis voilà, tu l'attires. Super, je vais à l'écran de gauche, il va me tuer direct. Tu paries combien? C'est dommage, t'as pas pris l'habitude de manipuler les sligs. Bah, je veux bien le manipuler, mais le problème c'est que. Tu t'as pas pris l'habitude. Le jeu il veut que tu manipules les sligs. Genre, tu fasses venir, après tu fonces à gauche, etc. C'est allez, manipule-le là. Oh, yes. Bah, c'est bon, j'ai réussi. Voilà, et là. Bah, ok. Bah, voilà. Ok. Ils sont tous morts. Là, normalement j'ai gagné. J'espère. Tu fais ça. Ah bah toi tu veux là. Et là bah tu sauves mieux de con si tu veux être gentil, si tu veux pas. De toute façon là je pense que c'est mort pour la bonne femme. Je pense que c'est mort. De toute façon j'ai pas envie. T'as quasiment fait. Enfin t'as fait aucun secret. Et t'as bah j'en ai fait deux je crois. Les secrets. Je sais plus. Un sûr et certain. Ah oui, un peut-être, ouais, bah un voilà quoi, sur 15 t'as fait un peu. Ouais. Je pense qu'à moins de les choper tous dans cette zone, ça va être compliqué. Non, je pense que là c'est fini, je pense que c'est rapide. Donc là j'ai activé quoi en fait? Autant ne pas les sauver, bah dans la porte normalement. Attends, ça je l'avais pas activé ça. Non mais ça c'est pas grave, on s'en fout. Bien. Ouais, c'est le plan. Bah, vu que tu vas pas les sauver, les Mudokons, bah normalement ça va aller beaucoup plus vite pour finir le jeu du coup. Ok. Bon, on se casse. Bah, y a de grosses chances que tu finisses, tu sauves les Mudokons. C'est le but, hein, je t'avoue. Moi j'avais calculé en sauvant les Mudokons, c'est pour ça. Ok. Est-ce qu'on refait la porte qui m'a fait chier? Allez, ça sera fait. J'ai pas envie de la garder pour la fin. Ok. Mais il y a des checkpoints entre les portes ou je dois tout entamer? Non, c'est bon, il est chez. Ok. On va essayer de réfléchir en pensant qu'on peut déplacer les Mudokons. Ah, mais en plus, j'ai des bombes. Essayer de s'en servir. Donc. Ah, il faut peut-être que je pète la machine. Je vais faire pareil en fait. Là, il faut absolument que je passe. Ici. Puis ouais, c'est un petit mélange de Tenchu aussi, comme disent des gens, Sekiro. Avec bah, c'est From Software qui avait fait Tenchu. Voilà. Donc tu peux te la jouer à l'infiltration aussi. C'est vrai, mais j'ai lu que c'était un peu pété l'infiltration dans ce jeu, t'en penses quoi? Bah donc ça, je trouve. Hein. Je sais pas qui c'est qui a sorti ça, mais je trouve pas ça pété. Là, j'ai lu que c'était... Qui a dit ça? Je sais plus qui a dit ça, j'ai vu une vidéo de quelqu'un. Enfin, ouais, pas tant que ça, hein, parce que les sous-boss, tu peux leur enlever. Tu un vas rien, point, je crois que c'était une vidéo de Julien Chiez. Ouais, bah lui, il peut aller se faire enculer son avis. On va pas être aussi violent quand même. C'est comme si Mario Chiappa donnait son avis sur un truc politique de grande ampleur, donc on s'en fout un peu de son avis, quoi. C'est violent, toi. Enfin, ouais, mais du coup, voilà. Ah, bah j'ai résolu mon problème. Donc,
comme diraient les films nazis, pas de bite, pas de vagin, pas d'avis. Bah, c'est à peu près pas pareil. Pas d'avis, t'as dit. Ouais. Du coup, c'est. Ouais, non, là, je m'étais mis dans le rôle des films nazis, mais pour les gars, en fait. Les masculins nazis. Le pire, c'est que dans sa vidéo, Julien Chaise, il avoue qu'il a pas fini le jeu, quoi. Il dit, j'en suis à une quinzaine d'heures de jeu, à peu près. Ouais, le mec, il ose appeler sa vidéo vidéo test. Genre un review, je sais pas quoi. Oui, bah, c'est comme le gars de journal de Console Plus qui avait fait un test de Xenogears alors qu'il avait joué une demi-heure au jeu. Ouais, c'est ça. Bon, là, c'était pire. Voilà, c'est quand même extrême, le coup du gars. Mec, tous ces screens, ils datent de la première heure de jeu, quoi. Ouais, première demi-heure. Ça. Alors là, je viens de me rendre compte que j'étais pas allé ici. Je me promène, je gambade, mais j'étais pas allé ici, comment ça se fait? Là, j'ai activé deux portes, normalement. Suis-je attardé mental ou suis-je attardé mental? Y a pas beaucoup de choix. Donc là, c'est la dernière porte. Mais je suis attardé. En fait, c'est tellement d'embranchements dans ce jeu que des fois, je sais même plus où je suis allé et où je ne suis pas allé. Ah oui, c'est cohérent, en fait, la map, les environnements. Oui, ah oui, c'est pas Dark Souls 2, hein. Annie, il va pas être content, arrête. C'est pas Dark Souls 2, ça, c'est sûr. Ah, j'avais pas lu son message, d'ailleurs. Sinon, aujourd'hui, j'ai marché 5... Ouais. C'est chaud, quand même. 5,83 km. Quoi, c'est un boss, ça? T'étais obligé, Annie, ou tu l'as fait par plaisir, entre guillemets? Non, mais... par plaisir, je pense. Par masochisme, aussi. Respect. Attends, par contre, là, j'ai un gros ennemi. Enfin, un gros ennemi. C'est juste un gros, dans le premier sens du terme. Ah, mais je me fais chier à lire les trucs à chaque fois, sauf que c'est juste pour la map. Là, il y a des ennemis, ils te balancent du sable, quoi. Et du coup, t'en as à combien d'heures de jeu, à peu près? Je sais pas, 15 peut-être. Peut-être un peu plus. Okay. Attends, tour, mon ami. C'est quoi? Hey. Première fois que je vois un 3 où il y a les oiseaux là. Ah, alors en fait, ça veut dire qu'il faut que tu sauves 3 Mudokon pour avoir les pouvoirs de la mort qui tue tout. Ah, bon. Donc là, je suis obligé en fait de le faire. Bah, j'imagine. Dans cette situation, t'es obligé par contre. Ah, mais oui, je suis con, faut pas que je le fasse envoler. Je joue baseball. Allez hop, t'es mort. Suivant. Client suivant. Pas par plaisir, j'aime bien la randonnée, c'est l'un des rares sports que j'apprécie. Ah oui, par plaisir, j'avais lu pas par plaisir. Tu fais de la randonnée, t'en fais tout seul du coup, Ali? Toujours un peu dangereux. Mort. Il y a un truc que j'ai pas compris là, est-ce que j'étais censé le voir ou... Ce que j'ai compris, c'est que t'es mort écrasé. Du coup... Il y a un souci là. Attends, je vais regarder. Est-ce qu'on est censé le voir? Ah oui, alors des fois, oui, il y a des sligs, en fait, ils sont sur des nacelles, et quand tu appuies sur le bouton pour les descendre, bah, ils sont dessus, en fait. Non, mais... Faut se méfier. Là, il y a rien du tout, même pas ses pieds. Non, mais je sais, oui. Faut se méfier, c'est tout. Faut être méfiant. Je le rajoute à ma liste. Une liste de quoi? Ah, une fameuse liste qui a pas de plaire. C'est les petits détails qui font que... Est-ce que c'est la même liste que j'avais fait? Est-ce que c'était la même liste que j'avais fait pour aller sur le poste? Je sais pas, je me rappelle même plus que t'avais fait une liste pour ce jeu. Ah oui, j'avais fait une liste. C'est vrai. T'avais pas vu, j'avais mis un screen sur Twitter. J'avais mis tous les petits détails que j'avais pas aimé, qui m'avaient un peu fait chier dans le jeu. Ah mais le bâtard, il me suit en plus. Attends, j'enlève le casque de son. Est-ce qu'il peut venir ou non? J'ai toujours pas envie. Je vais l'attirer comme ça. Je vais lui faire prendre mes pieds. Peut-être qu'avec un peu de chance, il va venir. Et le bâtard, il vient pas. Hein. Ok, normalement, là, il vient. Ah, mais il vient pas. Toujours pas. Là, je suis censé trouver une solution. Essayer de voir ce qu'il y a à gauche. Ok, donc là si je cours peut-être que j'aurai le temps, mais il va me tirer dessus, il est trop rapide. Il est beaucoup trop rapide.
quoi cette blague? C'est triste. C'est triste. Un truc. C'est chaud là. Petite séquence émotion, c'est triste. Il y a un mort. Ouais. Mais. Vous en paix, mon ami. Bon, par contre, il m'a dit d'aller là, mais en fait, j'ai fait le truc dans le mauvais sens, je crois. Ne spoile pas. Non, non. C'est qui en fait. Et t'as pas une préférence pour l'instant? Entre Sekiro et un Soul, c'est le 1, le 2 ou le 3, bon pas le 2, j'ai bien compris. Je t'en tire le jeu d'abord, mais j'adore le jeu, et puis comme je dis, de toute façon pour moi c'est pas comparable au niveau de pas mal de choses, au niveau du gameplay principalement. Par là, ouais. Ah oui, l'écran Kukomi, tout à fait. Ça, ouais. Ça n'a rien à voir. Il a raison. D'accord. Alors, attends deux secondes. Ah oui. Je sais que j'ai raison globalement, mais... Putain, c'est chaud. Ok, il est facile celui-là. Il a gerbé. Attends, il m'a envoyé un mec. Ah, il m'a juste envoyé un slig. C'est quoi cette merde? Ah, d'accord, ok, j'ai compris. Qu'est-ce qui s'est passé? Ok, j'ai compris. Ah bah oui, c'est juste qu'il faut que je sauve obligatoirement 3. Ok, j'ai compris. Trois trucs. Je me suis débloqué dans le jeu. J'ai trouvé une clé qu'il me fallait. Pour aller affronter sur mon boss. Ah oui, l'électricité, ouais, tout à fait, Kukomi. Je m'en suis rendu compte après coup. Il y a un vrai boss cette fois. Par contre, s'ils pouvaient me suivre, ça serait bien. Ils ont un peu du mal, hein, on dirait. Allez, viens s'il te plaît. Alors. Voilà. C'est épais. Pardon. Il se fout de moi lui, il me dit ok, voilà. Il me suit pas. Je vais. En fait, faut bien attendre à chaque fois qu'il ait commencé à se déplacer. Allez, viens. Dis-lui une deuxième fois parce que en fait, quand ils sont au pied de truc là, il faut leur dire une deuxième fois pour qu'ils descendent pour de bon. Ah voilà. Ok. Donc là, normalement, tu te barres. Et là, il m'en reste plus que. Normalement, un. Hein. L'autre, il est sauvé. J'espère. Ah, c'est marqué 3, mais en fait. C'est pas décompté, quoi. Ceux que j'ai déjà eu, y a pas un décompte. Salut. Suis-moi. Ok. Suis-moi. Ok. Ouais, faut le faire deux fois, c'est ça. Quand il est au bord, tu refais suis-moi et il descend. Why not? Ouais, bah je vais m'arrêter là. Parce que là, je pense qu'il y a un boss juste derrière. Là, j'ai sauvé les trois poteaux. Le boss, ça, j'hésite. Le truc, c'est que j'ai envie dans l'ambiance quand même, donc je ferai plus tard. Attends, là, je sens la baise, là. Je sens que je vais me faire niquer. Le sentez-vous? Moi, oui. Là j'entends un slig. Je sais pas d'où ça vient. Ah, j'aimerais bien tenter le boss maintenant quand même. Parce que si je me barre c'est bon. Bah vas-y tente. Ouais mais je vais augmenter le son. Mais par contre si je augmente le son je vais couper mon micro deux secondes. Ah faut pas qu'on entende le jeu quoi juste. Ah là, j'ai tout activé donc là j'avance. Je vais couper mon micro deux secondes juste pour commencer. Vas-y ça marche. Ça marche. Je bois un petit coup. Donc là, on va changer de zone. Parti. Vachement beau. Hein. Ça devait tellement tout tuer pour l'époque, ça. Ah, j'entends quelqu'un qui dort. Suis-moi. Suis-moi. Ok. Oula. Essaye d'y aller tranquille sur la pointe des pieds.
je vais monter par là. Et je vais essayer de réfléchir intelligemment. Quoi? Ah putain, arrête tes conneries. Genre, quand je possède, eh ben, il se baisse un petit peu. Et du coup, ça touche le filet électrique. C'est ça? Ah, c'est fou quand même. Complètement ouf. Ah mais si je le fais en baissant de l'autre côté. C'est con hein, mais bon. Puis après. Je fais ça. Ah bah non, son cul il va toucher. Non, ça passe. Ok. Ça passe. Par contre il se barre. Je pense que je suis dans la merde. Je pense que je suis dans la merde. En plus, si je l'attire et que je cours à gauche, je pourrais pas, j'aurais pas le temps de me retourner pour m'accrocher, vu que la paroi elle est dans le sens inverse. Donc, je peux pas m'accrocher là, non. Ah, je suis baisé. Non, je suis niqué là. Je pense que je suis niqué. Oh, je l'entends là. Tant qu'il se barre. Ah putain, j'ai failli. J'ai tellement failli m'accrocher. Bon. On va essayer d'aller à droite cette fois. Presque. Ok, donc là si je vais à droite, je peux... Ah mais en plus c'était ça. Parce qu'il fallait lancer le chien, donc posséder le slick de gauche. En fait c'était la bonne strat que j'avais, je crois. Je crois que c'était ça. Hein. Je crois que c'était ça. Par contre là, je suis dans la merde. Ah, il m'a pas entendu. Ah c'était ça en fait. Ah c'était ça, c'est-à-dire qu'il fallait entendre le bruit du slick. Ok. En fait j'avais bien intuité. Allez, ils se barrent automatiquement, ouais. C'est ça. Ah, ils sont pas cons. Hein. Les ennemis de ce jeu sont pas cons. Je vais bouffer un peu de mon gâteau. Là, il faut écouter. Pas plus mal que Firouz se barrer. Lol. Je le répétais pas. J'ai compté 12 pas. 12 pas et j'y vais. Oh putain, j'ai réussi. Ça c'est bon ça. Ça c'est bon de comprendre une mécanique de jeu et de la réaliser juste après. De la réussir. Et maintenant j'ai appris comment lui dire le bon truc. Ah ça y est, je maîtrise. Ça c'est bon ça. Ça c'est bon. Alors du coup, est-ce que j'attaque? Ah, je vais le faire revenir ici. Désolé. Il m'a bien servi, maintenant je le tue. C'est parfait, je pense que là on est bon. Du coup, je vais activer le truc à droite. Je me suis même pas pris le mur en plus. Ça y est, on commence à avoir du skill. Ok. J'ai activé... Ah, j'ai désactivé l'électricité à gauche. Je pense que c'est ça. Ouais, c'est ça. Comme ça, on va monter. Ok. Manger un petit coup de gâteau. Allez, c'est parti. Ah, il y a encore 3 portes différentes. Ok. Parti. Salut. Suis-moi. Ok. Je vais réécouter les pas. Ah merde, j'arrive pas à voir s'il est à gauche ou à droite avec le bruit, vu que le volume c'est le même à chaque fois.
Ah bah de toute façon on s'en fout, il était en haut. Donc là je peux passer tranquille comme ça. Je peux pas, je peux poser des personnes de toute façon liées à la machine. Réfléchissons. Je vais monter, je vais le posséder. Faire comme ça. Hein. Ok, pour l'instant ça passe. Alors. Ok, là y a rien. Je peux pas passer dans la porte. J'ai réveillé un type. Ah, y a un truc là, j'avais pas vu ça. Ah, je vais les tuer un par un. Je les fais tomber comme ça. Et après, je les tue. Ah, je vais faire ça. Hein. Je pense que c'est là. Merde. C'est ça. Putain, j'ai trouvé. Deux fois que je trouve la bonne stratégie. Là, je suis content de moi. Là, je suis content. Attendre un peu. Parfait. Pour l'instant, mon plan se déroule à merveille. Ah, par contre, j'en entends un autre. Ah, mais il y a le mudo con qui est là. On a dit qu'on les délivrait pas, on s'en fout. Est-ce qu'il y en a un à droite? Ah, c'est bon, je peux le tuer. Hein. Ah, mais c'était juste pour le délivrer, en fait. Je pouvais continuer le jeu sans me prendre la tête, c'est ça? Tu peux entendre s'ils s'éloignent, sauf s'il y en a deux ensemble. Ah oui, ça marche pas s'il y en a deux, d'accord, merci de l'info, Kikomi. Mais moi, je kiffe cet élément de gameplay, en fait. Juste au son, tu vois, savoir s'il est loin ou pas. Et je crois que c'est la première fois en ouais, une dizaine d'heures de live que, bah, que j'ai appris ça, et que surtout que je m'en suis servi, parce que avant ça servait pas trop juste à savoir que t'en avais un dans le coin, tu pouvais te dire « Ah, faut faire attention !» Mais là, c'est pas juste faire attention qu'il y en ait un, c'est savoir quand tu vas y aller, en fait. Quand tu vas partir. Et c'est vraiment timé. Là, j'avais une fourchette de temps assez faible. Salut. Allez. Salut, suis-moi. Quand on va te okay. sauver, viens avec moi. Petit. Ah, il s'est bouffé le truc. Quoi? Pourquoi ça a disparu le truc des oiseaux là? Salut. Salut, suis-moi. Par contre, attends, okay. il bleu. Ah non, il fallait utiliser la. La trappe, c'est ça? Ok, j'ai compris. Du coup, je dois le mettre sur la trappe, c'est ça? Ouais, c'est ça, Kikomi, ouais. Je me suis fait la réflexion. Ah, mais il va pas sur la trappe exactement, c'est-à-dire que... Ça veut dire qu'il va falloir... Il va falloir que je le pose là. Et après que je fasse... Salut. Ah, merde. Salut. Ah putain, c'est chaud, hein. J'ai envie de réussir au moins ça, même si on n'aura pas sauvé tous les mudokons. Attends. Ok. Au moins, je vais réussir ça. Alors, attends. Salut. Salut. Suis-moi. Ok, salut. Suis-moi. Merde. Ah, c'est compliqué, hein. Un petit bout de gâteau. Ok. Salut. Je m'y prends pas bien. Salut. Suis-moi. Ok. Je vais insister sur le suis-moi. Salut. Salut-moi. Salut. Ok. Attends. Mais. Attends, je l'ai pas. Heureux, désolé. Heureux. Ah non, c'est bon, je l'ai tué. Ouais, vas-y. Ça faisait 1000 ans que j'étais sur le boss. Je l'ai first try le boss, mais c'était long. C'est vrai? First try? Ouais, first try, mais c'était long. Hein. T'es pas un rigolo, toi? First try. Bon, après, il était pas. Enfin, je l'ai pas trouvé si compliqué que ça parce qu'elle faisait pas tant de DX. C'était quoi le nom du boss? Sauf si ça spoil. Je sais pas. Si c'est pas du spoil, tu peux dire. Dame papillon. Ah. Un vrai papillon? Et... Comme dans Dark Souls? Lol. Non, c'est. J'ai une femme qui s'appelle comme ça, bref. Et tu l'as one shot? Ouais. Non, j'ai pas one shot. Non, mais tu veux dire one try, pardon. Oui, mais après, j'ai été prudent et elle n'était pas si difficile que ça parce qu'elle n'avait pas tant de dégâts que ça, par contre. Et puis j'avais un objet qui m'aidait pour... Enfin non, c'était un objet obligatoire pour la vaincre. D'accord. Donc voilà.
Ah, c'est-à-dire que si tu sais pas qu'il faut cet objet-là, tu peux rester bloqué Non, éternellement? y a des personnages qui te le disent qu'il faut cet objet-là. T'en as un qui te le dit juste avant, justement, qui te dit, ouais, il faut que tu aies cet objet-là, bah d'ailleurs, je te le donne, tiens, et t'en es obligé de l'avoir si tu veux la battre. Il te le dit. Ah, lui, il a mute le temps des explications. Ok. Noir sur blanc. Voilà. De toute façon, Bon. j'ai pas dit grand-chose, hein. Moi, j'avance. Je m'arrête là, c'est ça. Tu peux démute. Ah, le bâtard. Dis, Je vais poster attends, des spots. attends, je vais juste lui dire. One shot. Ouais, mais finalement, ce Kiro, il m'intéresse. Au début, j'étais pas très chaud, finalement. Merde! Oh là là, comment ils m'ont niqué? Lol. Oh. Attends, mais je suis mort, là. Comment ça, t'es mort? Ah bah non, je peux les reposséder. Putain, mais... C'est fait exprès qu'à chaque fois, ils utilisent pour un but. Bah oui, ils ont la con, quand même. C'est énorme. Allez, il va mourir. Tu l'avais bien vu, ça, je comprends pas. Non, mais c'est la première fois qu'ils te font mourir en boucle, comme ça. Ah oui, c'est marrant. Bah du coup, ouais, j'ai fait le boss là, et ouais, il était pas... ça allait, il était pas tant de dégâts, mais ça va. Enfin bref. Il est stylé, le boss. Ouais, bref, mais j'en dis pas plus, parce que sinon il va criser. Est-ce qu'ils sont divers et variés, les boss? Est-ce qu'ils se ressemblent pas tous? Moi, je veux qu'ils aient une gueule différente, quand même. Bah oui, là, largement, ouais. Je spoil pas l'apparence, mais... Enfin, au niveau du style de combat, il change énormément. Attends. Ah, par contre, oui. Je me concentre. Aïe, aïe, c'est tué tout seul le chien. What the fuck? Il est allé dans la foudre. Bah, si tu l'as appelé en même temps. Non, non, j'ai juste fait le mot de passe. Je suis sûr que j'en avais besoin en plus, non? Peut-être que. Non. Ah, mais il a tué. Bah, ouais. Ah, il fallait absolument le chien pour. Non, bah non, si t'avais eu le chien, il aurait bouffé le premier Mudoku qui serait passé. Mais comment tu fais du coup? Là, tu dois marcher lentement. Bah non, il aurait fallu dire en garde, enfin au Mudoku de se baisser et, pour qu'il se baisse et pour t'aurais tiré. Je t'ai montré en plus les mécaniques de gameplay. Mais tu l'as oublié. Attends, il faut dire quoi, en garde? En garde ou je sais plus quoi, il faut faire en sorte qu'ils se dire un truc et ils vont se baisser et là tu pouvais tirer. Mais je t'ai ah, pas montré. Ah, oh, putain, ça remonte ça, c'est chaud. Pas ça remonte, oui. Ok. Mais voilà. Comment tu veux que je fasse là? Y'a rien à faire ici. Ah, c'était juste pour les sauver. Bah, je pense, oui. Bah, tu me fais chier pour rien ici, quoi. Concrètement. Peut-être, je sais pas. Me casse. Ok. Pourquoi je me fais chier pour rien ici? Depuis tout à l'heure, je me fais chier pour rien. Je ne sais pas. Comme dirait. Il y a une flamme qui est éclairée au fond, mais je crois que c'est juste le fond d'écran, le décor. Ah bah non, c'est toujours rouge la lumière. Bah non, donc c'est pas bon. Faut que tu actives un levier. Ah, j'en ai activé un, sauf que là c'est une trappe. Il y a une trappe, me dis pas qu'ils sont tous revenus, non. J'aurais pété un câble, heureusement c'est bien fait. Je ne sais pas. Ok. Attends. Ah, c'est je suis retrouvé. Ah, mais je cherche le levier, je sais pas où il est. Bah, débrouille-toi. Parce que là, on est d'accord, c'est la map du niveau. Ah, j'ai une grenade, attends, je peux utiliser ma grenade. Putain, ils sont encore revenus. Mais je l'avais pas activé ça. Ah merde, c'était ça. Oh. Je dois me retaper la boucle des morts en fait. Ok. Ouais, s'ils veulent. Ouais, c'est l'humour. Ah, c'est trop marrant. Ok. Donc là, si j'arrive à tirer plus vite qu'eux. Attends, mais c'est quoi ce délire? Je comprends pas. Ah, j'ai réussi à en tuer deux, mais. Après, c'est impossible, t'es obligé de mourir. Ok, donc là, peut-être que je peux me défendre. Yes, j'ai réussi à me défendre. Je vais activer tout de suite ce truc. C'est celui-là que j'ai pas.
Je crois que c'est celui-là que j'avais pas activé. Hein. Je ne sais pas. Ah, c'est celui-là, putain. Ah, bordel. Ok, d'accord. Je me casse. Bon, vas-y. Je sais pas comment utiliser mes trucs. Donc... ouais, bah j'ai fini. Ah, du coup, tu l'as eu un jour avant la sortie officielle, c'est ça? Ouais. Jeudi, je te voyais tweeter sur Sekiro. Ouais. Du coup, ça, j'ai fini. Ah, ça y est, là, les... Ça y est. Bah, du coup, ce qui est bien, c'est qu'on va avoir la mauvaise fin en direct, c'est-à-dire que... Le puzzle commence à se reconstituer. Donc ça, j'ai fini. Ah non, il reste... Ah oui, non, il reste un truc. Bah non, il en reste deux. Oui. Bah, moi aussi, il me reste deux. Il me reste deux portes de mon côté. Attends, non, il reste... Attends, j'essaie de me rappeler. Oui, oula. Il est là. Ok, c'est bon. J'ai une mine de bâtard, là. Ah oui, je me rappelle de ça. Ah, attends, je réfléchis. Si j'active le levier, je pense que la foudre va s'enlever, c'est-à-dire que la mine va arriver sur moi. C'est-à-dire que je vais devoir aller sûrement en bas à droite ou en haut à droite. Je vais rebaisser le son, parce que j'ai remonté. Normalement, si je reste là, elle me tue pas. Voilà. Attends. Merde, je me suis trompé. C'est bon. Ça serait plus partir en puits pour moi. Ah, d'accord. Ok. Bon, j'ai tenté. Ouais. Mais... Nous bah. Oh putain. Ah le bruit, le con. Je suis con. Le pire c'est que j'avais compris la mécanique de la foudre qui s'enlève et de la mine qui arrive, sauf que je suis pas allé au bon endroit quoi, tu vois. Alors attends. Oh putain. Si je vais là. Non. Putain mais c'est pas possible. Mais t'as pas le droit, mais t'as tellement pas le droit à l'erreur. Putain. Je me suis trompé d'un cran, je voulais monter, et ben non. Et ben non, je me suis oh fait. Oh là 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 là. Ah c'est insupportable, je te jure. Et il est chaud ce boss, ce demi-boss. Bon bah là c'est de ma faute, ok. Par contre c'est pas clair là. Non par contre... Oh, putain. Je sais pas ce qu'il faut, là j'ai pas, encore une fois j'ai pas les bons réflexes. Ah mais attends, c'est compliqué à demander là. J'ai cru qu'il se fout de ma gueule. Alors attends. Mais... Et là tu montes, maintenant. Voilà. Allez. Là je saute. Mais le truc il me suit. Le truc, je suis monté, il m'a suivi. Et il est très chance boss. Ah je peux dire la même chose de mon côté, sauf que c'est. Non, c'est bon. C'est pas un boss putain. Ok. Bon. Je suis sûr que c'est un pattern bien précis de la mine. En fait elle te suit pas, elle fait une boucle, une trajectoire. Allez, soigne-toi, je t'en supplie. Merci. Allez, encore un point mortel et je le tuerai. En fait, je parle à un sourd. Je parle à Shiro qui joue à son jeu et moi je peux pas savoir ce qu'il fait donc ça n'a aucun sens. Et vous, et vous regardez un live de deux mecs qui ne dialoguent pas, c'est génial. Alors attends. Parce que j'ai. Ah oui, non, mais de toute façon, je vois parfaitement où t'es là. C'est que le truc avec les mines, il faut. T'as les... Là pour les mines au con, c'est assez rigolo. Mais putain, je me suis fait avoir par le laser. Bah là je me fais avoir par le boss moi. Putain. Qui va avoir le record de mort Martyr et Bushiro sur ces kills. C'est pas vrai. Bonne question. Je pense que c'est moi qui va me taper le record. Non, c'est bon. Je pense que c'est moi qui commis. Putain mais c'est pas vrai, il est chaud ce semi-boss hein. C'est un truc de ouf hein. Et en plus il a le style de combat que je déteste le plus. Quoi son nom? Shirafuji. Shirafuji. Ah, c'est le serpent blanc qu'on a vu dans la démo. Non, je sais pas lui. Et si on y est, c'est pas fait spoiler le serpent, je veux plat. Parce que tu vas spoiler. Non, mais tout le monde connaît la séquence du serpent, je suis désolé. Quand tu regardais les trailers ou les machins comme ça. Forcément. Ah, il se si t'as pas vu les trailers, ouais, c'est vrai. Bah oui. S'il a pas envie de se spoiler. Bon, du coup, attends, je réfléchis. La mine, elle va aller en fait, elle descend, après elle va à gauche, après elle remonte. Putain, mais c'est pas possible! Ah mais si j'ai une solution en fait. En fait j'active le truc. J'avance d'un cran. Putain. C'est infaisable ce truc. Ah ils ont calculé exactement la trajectoire des mines pour qu'elles viennent te défoncer la rondelle. Hein, t'sais. Ah moi je viens de voir le pattern là et t'as juste à aller à droite je crois. Toi t'as activé le
Non, 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 c'est pas, t'as juste à la droite, c'est pas aussi facile que ça, sinon je l'aurais déjà plié depuis une demi-heure, Jérôme. C'est que cette putain de mine, elle te suit, quoi. Non, elle a un pattern précis, elle te suit pas. Elle a un pattern précis. Oh ouais. Putain, mais j'ai encore une fois, bah là, voilà, typiquement. J'ai eu le mauvais réflexe, j'ai fait un pas d'esquive et ça m'a tué. Si j'avais pas fait pas d'esquive, bah ça m'aurait pas tué. Donc tu savais pas qu'il y avait un serpent dans le jeu, Only. Désolé. Bah voilà, tiens. Désolé, mais je t'ai pas dit à quoi il ressemblait le serpent. Ouais, enfin. C'est que c'est un serpent quoi. C'est un serpent, mais voilà, c'est un serpent domestique, il est gentil, t'inquiète. Hein, il est... Je joue pas sur les mots. Putain, mais pourquoi je refais là, je t'ai dit, déjà, il y a pas tout le temps les trailers. Donc voilà. Voilà, je vais bourriner les saves, ça commence à me casser les couilles. Excusez-moi de mal parler. Non, je regarde pas, je sais que t'as donné la solution dans ton pavé, mais je vais pas lire qui est commis. Désolé, hein. Pas contre toi. Et c'est une question d'honneur. On prend surtout qu'en plus, en plus, t'as parlé du serpent, mais dis-toi que moi je l'avais oublié, tu vois. J'avais, même si j'ai vu le trailer, j'avais oublié le serpent. Putain, j'ai réussi un truc. Mais putain, j'avais réussi quelque chose. Ah, là, je me retiens de pas lire ton message. Là, j'y vais. Oh putain, j'étais trop tôt. Et. J'aime pas ce qu'on fait là. J'aime pas ce genre de jeu, tu vois. C'est... Ouais, bah moi j'aime pas le genre de boss que j'affronte là, tu vois. Tout ce que je déteste. Je crois qu'on est tous les deux devant un non-némésis, Chiro. Qu'est-ce que ça fait? Va-t-on s'en sortir ou pas? Je pense que oui. Putain, et encore, j'ai eu une amélioration et tout, je suis censé normalement le défoncer, mais. Si je reste là, est-ce qu'il va me suivre ce bâtard? Attends. Non, mais les mines elles te suivent pas. Hein. Non, mais je veux dire, est-ce que son pattern, est-ce que son trajet. Bah non. Ah bah c'est bon. Il va pas. C'est bon. Bah du coup je fais une save ici. Et normalement, je devrais peut-être m'en sortir. Putain, non vraiment pour de vrai? Pour de vrai ouais. Putain, vas-y c'est. J'ai mis mon pied dessus, voilà, allez. Allez si tu veux. Oh putain. C'est bon. Ça me casse les. Les roubignoles. Voilà. Putain, j'ai failli. Hein. Là si je saute ça passe ou quoi ouais. En fait ça joue vraiment avec les réflexes des joueurs de Dark Souls. Parce qu'en fait eux ils vont être habitués à faire une roulade pour esquiver les plupart des attaques. Sauf que si tu fais ça en fait des fois ça va te tuer. Des fois c'est ce qui va te tuer. C'est genre en mode ah t'es habitué Dark Souls. Je déteste tellement ce que je fais là. Mais tellement. C'est voilà. Puis il a des attaques tellement étranges cet ennemi. C'est un coup de ouf. Puis je viens de me rappeler d'un truc et je vais me détester si c'est le cas. Je crois qu'il me reste une grenade dans la main. Là, je peux la faire péter de loin. C'est ça. Après, va péter le. J'ai réussi. Oh putain, c'est pas grave ça. Mais je suis pensé. Mais non, c'est une saisie pourtant. Mais putain, je réussis, je me fais baiser deux fois par le même truc. Oh. Je comprends rien à ce jeu. Les saisies, c'est pas grave. Depuis quand? Ok. Je comprends rien là. Qu'est-ce que c'est que ce jeu? Je comprends rien. C'est zen. Et je vais mourir là si je. Alors du coup j'ai trouvé mais je vais lire ta solution que commis court et saute après être monté sur la plateforme du milieu. Alors il faut que je prenne en compte le fait que j'étais t'es au début. T'es pas assez nerveux je pense dans le gameplay du jour. Court, non c'est pas. C'est... Non justement je suis trop nerveux, c'est ça là. Court et saute après être monté sur la plateforme du milieu. C'est pas ce que j'ai fait tout à l'heure. Hein. Mais putain, mais c'est pas ce que je voulais saute faire. Après être monté. Attends, si je suis au début, tu parles quand j'étais au début. Donc cours et saute. En fait, c'est très étrange ce que je vais dire, mais je crois que le jeu est plus dur pour les gens qui sont habitués à Dark Souls en fait. Sérieux? Bah oui, parce que ça joue avec tes réflexes, avec tes vieux réflexes. Parce que là. Tu dois réapprendre. Avant, parce que là où avant les roulades c'était la sécurité et tout ça, bah là non, la roulade ça peut te tuer des fois. Si tu fais une roulade au lieu de faire un truc ou de faire une parade ou autre, et ça peut te tuer. Et là, c'est ce qui m'arrive depuis tout à l'heure en fait. Ah, en fait, tu veux dire, ouais, c'est bien ce que je pensais, Kikumi, c'est qu'à partir de là, je dois courir et sauter, voilà. Parce que si je m'y accroche, je me fais niquer, ouais, c'est ça. Attends, vraiment? Ok, on a réussi. Tant que c'est pas un serpent pénis. Mais. Putain, c'est pas possible. J'ai vu que ça existait, Only, ça, le serpent tub, quoi. J'ai halluciné en plus.
Je sais pas, c'est tellement dégueulasse. Je sais pas comment ça s'appelle en vrai. Est-ce qu'il... Je pense pas qu'il s'appelle vraiment comme ça. June the Penny Serpent. Ça serait énorme. Là, je me fais emmerder. Ou si je l'amène à gauche, est-ce qu'il va me suivre? C'est impossible. Non, il me suit pas. Là, typiquement, c'est ce genre d'ennemi-là où vraiment, si t'es trop habitué à faire des roulades, il devait tout définir. En fait, c'est fini pour toi. Typiquement. Là, l'ennemi quand je suis, c'est ça. C'est si t'es trop habitué à faire des roulades, bah t'es niqué. Putain, je suis obligé de le réveiller parce que quoi qu'il arrive, je dois descendre. Attends, j'avais pas une grenade. Non, j'avais plus de grenade. Ah, j'aurais pu exploser la machine, mais. Ça va être trop compliqué. Non, mais putain de chiottes de merde. Non, pardon. Comment j'ai fait? Je sais pas comment j'ai fait pour survivre là. Il se rendort au bout d'un moment le Slig ou pas? Parce que. En fait, quand j'ai le sentiment que le jeu se fout de ma tronche, en fait, c'est là où ça m'énerve en fait. Moi, c'est pareil avec Abe, je dis. Quoique c'est vrai, je dis je rigole, mais à moitié. Mais c'est pareil avec Rayman ou certains éléments de DKC2. Non, mais là, c'est. Ce Penny Snake, lol. Allez, meurs! Allez, tuez! Oui, c'était ça. Voilà, en fait. C'est. C'était ça. Putain, il était casse-couille, c'était le moment. Bordel, c'était ça. Ah, il m'a saoulé, lui. Bon, ça y est, j'ai réussi. D'accord. J'ai niqué. Bon, ce que j'ai fait, c'était un peu chelou. Ah, bah tiens, il y a le truc à grenade qui est là. D'accord. J'ai niqué cet enfoiré. Putain, il était. Ah, tout ce que je déteste, lui. C'est quoi son petit nom propre? J'oublie, j'ai déjà oublié. Et qui veut oublier les mauvais moments. Mais je sais plus quoi là, bref, hein. Mais lui il était casse-couille putain. Bah lui il avait une chope et en gros bah si je faisais le choix de faire une roulade au lieu de sauter, et bah en fait il me chopait les trois quarts du temps. Et vu que j'avais le réflexe de faire la roulade, bah malgré moi, avec les habitudes quoi, bah voilà, je t'ai niqué. Tu sens que je sais pas, tu sens qu'ils ont eu envie de largement de troller les joueurs de Dark Souls. Et c'est réussi. C'est réussi en soi. Ok, j'ai réussi. Ah non, il se barre. Ah, il veut pas se laisser posséder le fils. Ah non, il est mort. Il s'est fait tuer avec le. Il s'est fait tuer avec le truc. Bah, j'ai plus vraiment de l'arbre. Ah si. Bah, maintenant, je vais le tuer. Faire baiser. En tout cas, dès que tu as fini ton boss, n'hésite pas à revenir sur le stream. Ah ouais, j'ai tué assez. De toute façon là, je vais... Histoire qu'on puisse discuter un peu. Parce que c'est vrai que ce dialogue de sourd, après on se parle pas, c'est pas ouf. Même pour les gens qui regardent, tu vois. Même si je sais que c'est une drogue et tu ne peux pas décrocher. Je comprends, j'ai déjà eu ça plusieurs fois. De toute façon, je pense que je me le ferai, mais bon. Dans combien de temps, je ne sais pas. Ouais, bah t'as tes patients alors. Parce que comme j'ai dit... Dans ce jeu, à partir du moment où t'as perdu patience, c'est fini, c'est plus la peine de jouer, tu peux arrêter. Enfin, tu peux t'as même pas le jeu, mais je veux dire que tu... C'est pas la peine de continuer ta session, quoi, ta partie, si t'as pété les plombs. Ah oui, mais je pensais que j'avais assez de grenades que commis, mais ouais, en effet, j'ai hésité à faire un aller-retour. Je crois qu'il m'en reste deux. Je crois qu'il me reste deux grenades, à moins que ça soit une. Putain, quand je vois Activision, à chaque fois, j'ai mal. Je vois Activision au début, mais ça me faisait peur le Activision au début, mais c'est bon. Ça va en fait. Ouais, c'est ça, j'en avais plus que deux. Ah, mais il veut pas. Ah, il faut que j'explose tout, c'est ça? Alors, tac, on éteint la PS4. D'accord, ok. La PS1. Oula. La Xbox 4. C'est ça, j'en ai 5 maintenant. Parfait. Parfait, parfait. Ok. Aïe aïe aïe, t'as laissé citer ta foison là, je te vois. Il est quelle heure là? 22h27, ouais, tu finiras le jeu là, je pense. Tu les sauves pas. Là je l'ai réveillé. Parce que le truc que je t'avais dit tout à l'heure là, comment dire, ça t'aurait pris peut-être pas une heure mais bien trois quarts d'heure quoi. Ouais, je pense. Alors évadé, ouais non là c'est râpé. Bon, du coup, tu dois faire quoi là? Tu dois te casser, t'as activé le levier là, c'est bon? Là, il faut que j'active celui du bas, je pense, parce que c'est celui qui active la porte, enfin, j'imagine. Bah, tu le sais, vu que c'est là où il y a le truc rouge qui vient vers après. Donc, il faut que je déplace mon pote pour essayer d'éviter de le tuer, je pense. Là, tu vas attendre ici.
Ah, je peux repartir là? Ah bah oui, j'ai déjà activé le machin. Du coup, c'est juste pour... Oui, c'est ça, quoi. Le... Bon, je vais garder mes grenades. Hein. On va faire comme ça, je pense. Bah tiens, tu disais tout à l'heure, ouais, il fait pas de live, Mister MV. Bah si, il en fait un, là. C'est vrai. Non, en ce moment, il enchaîne les sessions de Sekiro. Ah non, mais là, il enchaîne. J'ai jamais vu, je l'ai jamais vu faire ça. C'est rare qu'il soit autant à fond pour un jeu récent. Même ah non, c'est pas... Non, c'est pas assez rare. C'est la première fois que je le vois faire ça. C'est vrai. Parce que même pour Red Dead Redemption 2, rappelle-toi, il avait mis en pause le jeu pendant longtemps. Pareil, et, pareil. Et il l'a même, il l'a toujours pas fini. Ouais. Même Zelda Breath of the Wild, que beaucoup adulent comme étant un des meilleurs Zelda, voire le meilleur Zelda, bah il a mis, il a fait énormément de pauses et tout. Il avance vraiment petit à petit, quoi. Alors que là, Sekiro, il enchaîne hein, depuis tout à l'heure. J'ai jamais vu faire ça. Hein. Oui, et d'ailleurs, c'est d'autant plus marrant que, en fait, c'est son premier Souls, je crois. Enfin, c'est son premier oui, de la série de France. Il était censé faire un marathon sous une borne. Oui, il était censé. Je pense que c'était surtout pour motiver les dons, mais qu'en fait, il est pas si pressé que ça. Et que... Voilà, je pense que bon, ça. À mon avis, ça va lui donner envie de les faire les Souls, hein, je pense. Ouais, je pense aussi. Je pense parce que là, je pense qu'il est en train de kiffer l'exigence, tu vois, des Souls, c'est-à-dire apprendre un gameplay pour réussir les combats. Après. Après, comme j'ai dit, voilà, quoi, je pense qu'il sera quand même nostalgique du gameplay de Sekiro quand il jouera à Souls. Mais c'est bien qu'il commence par celui-là parce que si vraiment c'est le plus dur de la série, bah il risque de rouler sur les autres, quoi. Enfin, quoi que c'est, après il faut réapprendre parce que c'est pas exactement pas la même le chose, même. Hein, voilà. C'est pas du tout la même chose, hein, ça n'a rien à voir même. C'est pour ça que Power Rush serait différent. Hein. Mais oui, là je l'ai jamais vu spammer les lives comme ça, hein, d'un même jeu. Hein. J'ai jamais vu faire ça. Hein. Il a fait un live, déjà il a fait un live tout à l'heure cet après-midi, et là il en refait un ce soir. Hier c'était pareil, on avait fait un dans l'après-midi, un le soir même. Et c'était, comme j'ai dit, c'est pas des petites sessions de 2h30, 3h, c'est 4h30, 5h des fois. J'ai perdu mes grenades. Ok. Load ouais. State, je suis où? Ah, il dit tu peux repartir, t'as activé le levier, il dit. T'as activé le levier vert? Ouais, ouais, je l'ai activé. Le problème c'est que je dois tout me retaper comme souvent. Alors, oh, attends. Ouais. J'ai combien de grenades là? 5, ok. Merde, quel connard. Alors, tu l'as lancé? J'ai fait exprès, je voulais le garder. Je sais pas comment on le remet dans sa poche entre guillemets. Juste à lâcher rond, c'est tout. Ok. Allez, le fun débute. C'est parti. Tourne-toi, s'il te plaît. Merci. Ensuite, on se barre. Que fais-tu? C'était pour le fun. De toute façon, il fallait que j'attende pour passer. Ok. Donc, là, je vais pas refaire la même connerie deux fois. Je vais save. Je pense que je suis bientôt vers la fin, j'espère. Même au dernier truc là, quasiment. Ok. Enfin, au pluriel, je dis ça. Hein. Ah bah là où tu es, là, bah justement, il y a un moment où j'ai fait un truc ultra improbable. Attends. Ne me dis surtout pas ce que c'est. Non, mais de toute façon, bon courage pour le reproduire. Hein. Tu le reproduiras jamais. Même moi, je l'avais fait, mais sans faire exprès. Hein. Donc voilà quoi. Oui. Je peux pas l'avoir d'ici le truc. Si. Ah, il faut que je fasse éclater ma grenade sur le projectile. Non, il faut que tu le gardes dans tes mains, la bombe, parce ah, que il ça faut fait attendre, son faut compteur, attendre, son compteur, il se... Voilà. Après, tu le lances quand... Voilà. Ah non, lance-le, là. Oula. Trop tard. Ah, trop tôt. C'est bon. Ça passe. Allez, je suis mongolo, allez. Okay, là, je vais pouvoir tuer les potes. Par contre, je vais activer ça. En gros, je vais activer pas le levier. Tu veux? S'il est là, c'est que. Voilà. Hein. C'est pas pour faire la blague là. Toi, tu meurs. Toi, tu meurs de weed, Malcolm. Alors. Ah oui, c'était. C'est quoi, c'est avec ses jouets là? Je sais plus. Oui, je crois que c'est ça. Ah oui, je crois qu'il l'avait fait. Il se fait un scénario avec ses jouets, je crois. Il dit toi, tu vis, toi, tu meurs. Ouais. Ah, moi, ça. Franchement, je pense que Malcolm, c'est une des séries qui me faisait plus rire. Enfin, même. J'aime bien l'humour, c'est de l'humour fin. Ouais, pareil. Pareil, ouais. Tu me donnes envie de regarder. Je comprends. J'ai bien aimé, moi. Alors, ouais, je vais me rechoper des bombes. Je ne sais pas.
J'aime bien en fait globalement tout le personnage, à peu près le petit là qui se fait victimiser par les deux. Le grand militaire là qui fait n'importe quoi à l'armée. Le père qui fait des mères lui aussi. Ah, ils ont tous La mère leur propre trait de caractère. qui fait flipper tout le monde parce que elle est terrible quoi. Ok. Et le. C'est quoi déjà le. Pas l'aîné, mais celui qui est avant l'aîné là, lui, Rise, je crois qu'il s'appelle. Oula. Je sais plus ce que c'est, je crois que c'est Nikaira un peu. Par contre, tu fais de la merde avec le Mudokon en haut. Ah bah de toute façon je vais pas le faire venir. Je suppose qu'on peut le faire descendre mais... Non, tu le tuerais juste là, en fait, il va juste mourir. Il va Alors juste attends. tomber et il va s'écraser comme une merde en bas, en fait. Ah ils veulent que je m'accroche en bas là? What the fuck? Bah oui. Ok. T'as sauté trop tôt. Parfait. J'ai mis le parfait. Lol. Parfait. À mettre dans le best-of. Y a le gars qui spoil les gens quoi. Ah, par rapport au serpent de Sekiro, oh ça va quoi. Il y a pire. Oula. Et du people. C'est bleu. Si tu En plus veux. il tire. En plus il tire dessus jusqu'à l'implosion, c'est quand même. C'est des mecs Ils ont qui. aucun respect pour leurs potes. T'imagines les CRS qui voient les gilets jaunes s'infiltrer dans leur corps et le CRS qui se retourne l'arme contre son collègue Tu fais des drôles de parallèles, je veux pas dire, mais. et qui le mitraille jusqu'à l'implosion. Alors du coup on va sûrement voir Abe crever à la fin, c'est ça? Donc interrupteur à gauche. En fait je suis même pas sûr que j'aurais pu atteindre les 49 employés. Hein. Même s'il avait Si, sauvé tout le monde. t'aurais. Si, t'aurais pu. T'aurais pu, ça aurait été possible, mais bon, là maintenant c'est pas possible, là c'est fini. Là, c'est fini. T'auras la mauvaise fin. Par contre, voilà. Pardon. Il me refait le coup deux fois quand même. Et du coup là, alors moi je me rappelais plus de ça Non mais dans ma me dis partie pas hein, là. la solution. Non mais, ouais, non mais. Faut juste courir, c'est tout. Et moi ce que je vais faire en fait, ici, c'est que dans la panique, en fait, je me rappelais plus du tout de lui. C'est ce que j'ai fait. En fait, j'ai couru. J'ai sauté par-dessus la nacelle Ah d'accord, attends, parce qu'ils me refont faire tout ça. et en fait il y a eu un bug, bah oui, et en fait il y a eu un bug et en fait comment dire, j'ai atterri sur la nacelle comme si j'avais pas atterri dessus en sautant en fait. Du coup j'ai couru sur la nacelle et ensuite j'ai couru à droite et il avait même pas eu le Je temps rêve ou t'es d'atterrir. en train de me donner la solution là? Non, c'est pas une solution, c'est un bug ça. Toute façon c'est y a pas une seule solution unique hein, Oui mais souvent, justement, il tu y m'en en a donnes des. aucune, Il que n'y en a je puisse plus. trouver la mienne Mais par ça moi-même. c'est un truc très dur à faire ce que j'ai fait ça dans la panique et je m'en étais sorti par miracle. Ah mais Mais tu en sais que courant j'ai je peux déjà le fait des refaire. trucs Hein. émergents dans ce jeu donc... Oui non mais tu l'as fait sur le coup, tu l'as pas fait en m'ayant entendu et en disant ouais, je vais Ce genre de refaire. choses, dis-le-moi quand j'ai passé la zone, c'est mieux. Alors attends. Ouais, bon bah essaye de le reproduire, hein, on va se marrer, je pense. J'ai à moitié écouté donc je t'avoue que je peux pas Bah le faire. voilà. Oh, il sert plus à rien maintenant. Il va aller se faire crever tout seul. Hop. Donc. Pas déconner. T'as les safe states à gogo. Hein. Je sais pas ce que tu dirais si tu me voyais faire des safe states à foison sur les lignes se passe, mais tu serais vénère. Hein. Bah c'est un peu ce que tu faisais avec l'Exode Dave l'autre fois quand je te regardais jouer donc bon au bout d'un moment. L'Exode Day, il y a des safe Faut arrêter states. l'hypocrisie mec hein, je dis ça, je dis rien. Il y a des safe states manuels dans l'Exode, donc. C'est la même chose. Ah non. Ah tu les as toi-même. Ouais? Bah quick save, safe state, c'est Non mais je proche. vois absolument pas ce qu'il y a de à reprocher en fait. Parce que sachant que Non c'est un mais là oubli développeur. je dis je oui je n'oublie des joueurs. Ah bah oui, s'ils avaient pu le mettre, ils l'auraient mis comme dans le 2. Ah oui. Soit ils y ont pas pensé, soit ils avaient pas le temps parce qu'ils devaient finir le jeu rapidement, je sais pas. De toute façon, c'est un Voilà. die and retry, donc le jeu est fait pour ça. Quitte à me refaire 10 fois la séquence, je vais pas perdre 3 heures à refaire la séquence à chaque fois. En fait, à refaire des trucs que t'as déjà fait avant, c'est ultra chiant, quoi. C'est la mort du fun pour moi. Mais bon. Donc là, comment faire? Activer le levier, se barrer vite fait, ouais.
vois pas la solution à part ça. Se retourner. Hop. Vite, 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 vite. Là, je te possède. Là, je commence à comprendre. Voilà. Ensuite, après, bah, faut aller se balader, j'imagine. Je crois que t'es obligé de les sauver, les Mudokons. Hein. C'est juste pour l'info. Ah. Il me semble que t'es obligé de les sauver, de toute façon. Là, je peux pas aller à droite. Est-ce que je peux monter ici? Ah bah oui. 4. Voilà, enfin, sauf 4. Ouais. Enfin non, c'est pas obligé, t'es pas obligé en fait. Tu peux juste activer le levier puis te casser. De toute façon, on a fini là. Hein. Pourquoi je me fais chier aller ici, ça sert à rien. Descends la nacelle avant, ouais. Parce que sinon t'auras l'air con là. Hein. Si j'en ai besoin, à mon avis, je vais me faire baiser. Ah mais je peux activer ça avec lui, je suis con. Oui. Ok. En fait, je peux juste me barrer là. Ouais. Évader 17, ouais. C'est mort. Ouais, c'est fini. Là, c'est mort, là, c'est pas la peine. Ça sert à rien. Autant assumer jusqu'au bout, ça sert à plus à rien. À mon avis, je pense qu'on va y rester. Bah. Après, c'est peut-être la fin du jeu, je ne sais pas. Pas encore. Ok. Je crois qu'il me reste une porte. Et sinon, pour revenir sur Sekiro, est-ce que t'as repéré des petits défauts, des trucs qui te gênent dans le jeu? La caméra, des fois, qui fait n'importe quoi. Sérieux? Enfin, des fois, hein, c'est assez rare. Mais des fois, elle fait n'importe quoi et c'est chiant. Mais ça, c'est rare. Après, tout dépend si le jeu est plus cloisonné ou non que les Dark Souls. C'est la question. Bah, non, c'est près pareil. Parce que s'il y a plus d'environnement à l'intérieur des maisons et que la caméra fait n'importe quoi, là ça peut être plus problématique qu'en extérieur. Enfin après je dis ça mais c'est extrêmement rare, ça m'est quasiment jamais arrivé. Sinon après je dirais que c'est débile comme défaut à dire mais je dirais que c'est un peu trop troll envers les joueurs de Dark Souls. C'est un peu trop troll, ça joue trop avec tes réflexes de Dark Souls. Attends, il y a Kikomi qui dit je crois que t'y es à la fin ou en tout cas très proche. Mais moi je m'imagine là un gamin qui est où j'en suis déjà pour arriver où j'en suis. Gamin c'est un acharné tu vois ça. Moi, bonjour. T'avais quel âge quand t'as fini le jeu à l'époque? Oui. T'avais quel âge? Je sais plus moi, 8 ans, 9 ans. À 8 ans, 9 ans t'as fini l'Odyssée Dave? Ah oui. T'es un acharné toi. Bon. Après comme j'ai dit, je me suis formé avec Rayman 1 et tout ça, donc voilà. Oula. Quoi oula? Réfléchis, je me suis peut-être coincé parce que je voyais un cul-de-sac, je me dis putain s'il m'attaque. Ah oui sonné. Mais il sonne? Non. Pas je vais mourir. Ça sonne? Je fais pas confiance. Le ton dans lequel tu l'as dit. C'est une sonnette. Je te connais trop bien. En plus ce jeu te le dit, te dit sonner. Faut sonner. Bien. On va sonner avec lui alors. Peut-être. Shiro il a Platinum Rascal. Oh non, ne parle pas de ce jeu s'il te plaît. Bah vas-y. Voilà, vas-y. D'accord, ok. Et à chaque fois, il y en a un qui va revenir. Je sais pas. Mais oui, non, Rascal, par contre, ne me reparle pas de ce jeu. Ouais, donc heureusement que je t'ai pas écouté parce que je serais mort. Espèce de bâtard. Là. Mais Rascal, ouais. Ah putain, pire jeu de plateforme ever. Hein. Vache. Et mais ça. Ça m'étonne qu'il ait pas fait de vidéo encore sur ça, JDG. Même s'il y a pas tant de choses que ça sur ce jeu à dire, en fait. C'est ça qui est triste. JDG, il prend que vraiment les jeux très mauvais. Hein. Sauf les Schtroumpfs. Bah, Rascal, c'est très très mauvais hein, pour le coup. Hein. C'est pas juste mauvais vite fait, hein. C'est très très mauvais. Hein. Graphiquement c'est moche, au niveau des musiques c'est le néant, au niveau du level design c'est le néant, au niveau du gameplay c'est le néant, au niveau des environnements c'est le néant, enfin... C'est... Y'a tout qui est haché dans le jeu. Le jeu est nul à chier. Par contre pourquoi il frappe dans le vide l'autre en bas là? Voilà. Voilà tu me connais pas. Ah, attends. Non mais voilà. Scal c'est... Parce qu'elle c'est un peu nul. Un peu?
Peu beaucoup même. Moi, bah, tu vois, par exemple, quand j'étais petit, moi, pourtant, j'étais très très patient. Mais Rascal, vu que ça ne m'amusait pas et que je trouvais le jeu nul, bah en fait, ça a pas duré longtemps. Je crois que j'ai fait un niveau. Et c'est tout. Ou deux, je sais plus. Oh putain, ah j'ai réussi à avoir les deux. Par contre, ça vient de me rappeler d'un petit jeu de plateforme que j'avais bien aimé quand j'étais petit aussi. C'est quand ça s'appelait Dream Story, je crois. Dream Story. C'est, tu connais ou pas? C'est pas la jaquette avec deux enfants, genre un gamin et une fille. C'est ça, oui. C'est ça. On oui. dit quelque chose. C'était un petit jeu de plateforme action sympa. Enfin, dans mes souvenirs, moi j'en garde des bons souvenirs. Il y avait une bonne ambiance, c'était sympa. C'était un RPG, là? Non, ça. Un truc d'aventure. Ouais, plateforme action. En fait, vu que ça se passe dans les rêves des gamins, tu peux te transformer en super-héros, des trucs comme ça, et puis faire t'as des pouvoirs, machin. Le jeu est mauvais, même si la musique est assez sympa. La musique est assez sympa, putain. Mais ouais, non, franchement, Dream Story, ouais, c'est un des jeux que j'avais bien aimé. J'avais bien aimé. Petit jeu émergent. Petit jeu émergent. Même si la fin du jeu, enfin, pas la fin du jeu, mais le boss final était un peu décevant. T'es sûr que tu n'étais pas aveuglé par ta nostalgie? D'accord. Okay. Ben, c'est peut-être les souvenirs qui te font dire qu'il était bien, non? Je sais pas. De quoi, Dream Story? Ouais. Non, le souvenir il est bien. Rascal, ça quand j'étais petit aussi, hein, et comme le jeu, moi, il m'a fait qu'il était pourri. Hein. D'accord. Je me souviens que le jeu était pourri, donc la nostalgie de Dream Story, j'avais bien aimé. On va faire une petite save. J'avais trouvé ça très sympa. Mais il y a tellement de jeux sur lesquels je suis passé à côté que j'aimerais bien m'essayer en stream. Oui, mais il y a énormément de jeux que j'avais testé, surtout sur des démos. Genre, bah, Tombie par exemple, Tombie que j'avais vu trouver en démo. Ouais. Enfin, testé en démo, pardon. Je crois que je voulais avoir une trentaine de CD démos. Il y avait Team Buddies aussi, mais Team Buddies, je l'ai eu en jaquette après. Je sais pas ce que ma mère en a fait du jeu. Team Buddies que j'avais aimé, mais j'avais pas d'amis, du coup pour jouer à plusieurs c'était la merde. Et puis en plus il fallait l'adaptateur, l'espèce de truc en forme de boomerang là pour jouer à 4. Donc il y avait ça, Team Buddies. Chou, là. Il y avait quoi comme jeu? Il y avait Legend of Dragon aussi, j'aurais bien aimé faire sur PS1, mais que j'ai jamais eu l'occasion de trouver. Même si il paraît-il qu'il y avait la traduction France. Okay. Ah, c'est parce que t'avais des mines sur toi. Ouais. Dis-moi qu'elle peut traverser le. Ah bah oui. Bah oui. T'es méchant. C'était ça la solution? Bah il y a plusieurs, tu pouvais activer la mine qui avait en bas aussi, à ses pieds, puis te casser. Ouais, mais il m'a entendu. Parce que regarde, quand je me mets à quatre pattes et que j'avance, et bah il m'avait entendu en fait. GRC Devil, c'est quoi déjà? Okay. Parce que peut-être que je connais, hein. On va voir. GRC Devil, c'est pas un truc où sur la jaquette t'as une voiture, c'est pas un truc de course, on dirait comme. Non, pas du tout. Voilà. Non, c'est peut-être d'un. Je sais pas ce que c'est. Attends, je regarde. Parce que là, je me rappelle plus. Ah non, ça me dit rien par contre. Par contre, ça me fait penser à un autre jeu que j'avais joué encore en démo ici. Ah, la démo de Flower dans la. C'était un jeu de plateforme 3D. C'était quoi déjà? C'était. C'était un espèce de clown, je sais plus quoi. C'est dans un univers un peu médiéval et tout. C'était un espèce de clown, mais je sais plus comment ça s'appelle. Pandemonium? Non. Ça c'est en 2,5D. Ça c'était vraiment 3D. Et Pandemonium, j'ai pas trop aimé. Enfin bref. Mais ça c'est le 3,5D, 2,5D pardon, c'est pas pareil. Il y avait quoi que j'ai vu ça. Il y avait quoi encore? Je sais plus. Ouais mais là il va pas mourir, il va mourir. Ouais. Adieu. Qu'est-ce qu'il y avait comme jeu que j'avais fait? La démo de... Attends. Quoi? La démo de Pula World. Pula World. Attends, je regarde. J'ai pas compris là. Je regarde si c'est ça. Ah oui, le ballon! Je m'en souviens de ça. Ah ouais! Putain, ce jeu en plus, j'ai jamais eu, mais il était mystique ce jeu, je m'en rappelle. T'es mystique. Ah, je m'en rappelle, ouais, le truc avec le ballon de plage là, ouais, que tu. Ah, Pula World, tu connaissais? Tu t'en rappelles? Oui, bah oui, j'avais. C'est un truc de. Avec tu devais déplacer une balle. Oui, avec ta. Tu déplaces le. Enfin, c'était très. Ça te faisait un peu mal à la tête quand même. Mais c'était bien fait. Mais ouais, j'avais joué qu'à la démo, moi, je me rappelle. Merde, quel con, putain. J'avais. Ouais. C'est vrai qu'il faut des que j'ai rejoué aussi. Mais. Cul la World aussi, c'est vrai.
Chaud, Lance un jeu de bordel. plateforme dans un univers légèrement avec un gameplay mélange entre Batman et Zygmunt. Ouais, non mais j'ai vu, hein, j'ai vu. Non, c'est juste, ça me faisait penser à un autre jeu que je te disais là. Mais ouais, non, non, enfin, j'avais déjà vu la jaquette, mais j'avais pas vu de gameplay. Ok, j'ai réussi la deuxième solution. Qu'est-ce que. J'ai réfléchi en fait, mais il y a plein de jeux, il y a plein de jeux, jeux, jeux. Je me rappelle d'un jeu aussi, c'était un shoot'em up en 3D. Enfin, t'es dans des espaces, espèce de vaisseau et tout. Et puis tu pouvais voir l'intérieur du vaisseau. Enfin, c'était une espèce de hub central où tu pouvais voir les personnages qui étaient dans le vaisseau et tout que tu contrôlais. Et Ça me dit c'était rien du tout. dans un style animé, je sais plus comment ça s'appelait. Je me rappelle, c'était juste dans un style animé. Oui, il vient pas là. Ce que je comprends pas surtout, c'est pourquoi est-ce que tu cours pas et que tu sautes pas tout simplement en fait au lieu de t'arrêter. Courir et sauter au-dessus, mais jamais je vais y Bah oui. arriver. Si, Trop c'est dur. simple. C'est simple comme Ouais, bonjour. simple quand tu connais à la perfection le gameplay du jeu. Pas tellement, non. Là c'est large quand même. Voilà. Tout Non, simplement. là, quand il vient là, je cours, mais là, je pensais que tu voulais me dire de courir devant lui, en face de lui. Ah non, 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 je parlais de pour t'accrocher moi. Ah non, là, ça va, j'ai compris du coup. Je suis en Et train de me dire, mais qu'est-ce t'as qu'il fait Valkyrie Profile. Non, Vandal. Attends, je confonds, il y a un RPG, c'est. Valkyrie Valkyrie Profile, Profile, ouais. profil. J'aimerais bien le faire, mais le problème c'est que vu que le jeu est qu'en anglais, Je me suis gouré, c'est pas ce que je voulais dire. c'est ça C'est qui me. Vagrant Story que j'ai et que j'aimais bien. J'avais fait que le début du jeu, mais il faudrait que je le continue. J'ai la boîte. J'ai la boîte, mais je vais Attends, pas. attends. On va voir s'ils me font repopper à la porte ou ils te font tout recommencer. Non, mais t'es sérieux? Ben non, t'es à la porte là. T'es Ah juste. oui, Ben quoi? j'ai cru qu'il m'avait fait tout refaire. Mais c'est impossible à deviner ça. Bah si tu le sais vu que t'as l'icône du truc là. Tu sais bien que t'as bien vu que regarde quand t'as le truc rupture farm là tu sais qu'il y a les chiens. Tu baisais là. Y en a beaucoup hein. T'es fou? Je savais que t'allais mourir là, ouais bah. Croc aussi. Ah oui croc j'avais aussi quand j'étais petit, Ah, bah le je l'avais petit fini crocodile. plein de fois lui. Ouais. Ouais j'avais eu le croc, ouais, croc 1 et croc 2 aussi, j'avais fait croc 2. Croc 2, même si croc 2 j'avais moins aimé. Ah, désolé Croc les 2, ils ont eu potes. un délire avec Je suis trompé. ils ont eu un délire avec les RPG, enfin un mode RPG bizarre, j'avais moins aimé le 2. Mais le 1 ouais très sympa. Je me rappelle j'avais bien galéré quand Tenter un j'étais petit. truc. Merde. Mais le gameplay il est un peu lourd ouais. Un Ouais, peu qui tue balayé ses potes. dans le fond quoi le crocodile, enfin le croc. Et croc que j'avais fait, qu'est-ce qu'il y avait encore? Plein de jeux hein. Plein de jeux. Qu'est-ce qu'il y avait encore? J'avais joué quand Tue-le. j'étais petit Yes, sur je l'ai Play. eu. Mais sur le PS1, c'est la ludothèque de jeux que j'ai le plus torché. Hein. J'avais énormément de Quoi? jeux sur PS1. Oh là 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 là. Toy Story. Ah oui! Toy Story aussi! Le 2. Oui, c'est. Ouais, le 2 Toy Story 2 aussi sur PS1. Ouais. Oui, je me rappelle pareil, je l'avais fait. Moi, je l'ai fait sur Dreamcast. Ah non, j'ai fait sur PS1, moi, je me rappelle. Dreamcast, c'était le même, sauf qu'il était beaucoup plus joli, quoi. Faut pas le malin. Et du coup, J'adorais. le jeu était. Ouais, le jeu était très sympa. Même si je me rappelle qu'il était un peu frustrant sur certains trucs, mais je m'en rappelle plus pourquoi. Ah, Bah, les mais c'est derniers parce que. niveaux, c'est en haute vachement en hauteur, et quand tu tombes, tu dois tout retaper, en fait, tu Ouais, meurs. je crois, et puis même je savais pas où fallait aller souvent. En fait, c'était chiant. Il fallait chercher en tous les sens ce qu'il fallait faire. C'était très Zelda-esque, ça me saoule. Non, je rigole, rien à voir. Mais du coup, le mec qui veut chercher la merde, mais ouais. Par contre, tu vas mourir là. C'est Ah un bon? spoil. Adieu, mon ami. Fais face à ton destin. Jamais. T'as vu comment j'esquive le destin? Oula. Ah ouais, ah ouais. Le mec il va. Tu sais, son destin c'est obligatoirement de mourir. Oula. Voilà, adieu. C'était obligatoire. J'avais aucune solution. Ah, Toy Ok. Story 2, ouais, je me rappelle, j'en avais bien chié. Je me rappelle d'un niveau avec l'avion. L'avion, je me rappelle plus ce qu'il What? fallait faire. Je me rappelle plus ça. Niveau avec un avion. Ouais, c'était à la fin du jeu quasiment. Qu'est-ce qu'il y avait encore comme jeu que j'avais fait? Putain, mais il y a plein de jeux que je me rappelle plus, mais quand on les dès qu'on les dit, dès qu'on les énonce, je me rappelle direct. C'est fait. Les souvenirs. Bah moi il y en a un que je veux faire avec toi aussi, je crois que c'est Final Fantasy Tactics, pas Advance mais Tactics, c'est normal. Ouais, PS1, faut que je le fasse.
GTA PS1, alors là j'avais joué que la démo et ça m'avait pas botté plus que ça. Ça m'avait pas botté plus que ça, GTA sur PS1, je sais plus si c'était le 1 ou le 2, mais. Ouais, je sais plus, je me sens, je j'ai rien. J'arrive à bien les viser ces enfoirés maintenant. Je m'amusais à me suicider sur les trucs électriques là, ou dans la voiture aussi, à m'exploser la tronche dans l'autre, comme ça, mais après. Ah oui, il y avait Exhumed aussi sur PS1, une espèce de Doom-like. Putain, ça me dit rien Doom. du tout. Exhumed, une espèce de Doom-like aussi que j'avais beaucoup aimé quand j'étais petit. Bon, c'était assez gore, assez. Je Ouais, c'était un déteste les peu Doom-like. stressant, mais c'était sympa. Non! Il me voit à peine, il me défonce. Le bâtard. Et du coup, voilà quoi. Bah, tu peux balancer une mine de l'or, comme oublié. Mais non, mais j'ai même pas le temps. Ah, quoique là, je peux le. Ah, bah oui. Oui, tu fais ça aussi. Je pensais qu'il y avait une machine, mais non. Mais ouais, non, Exhumed, ouais. Je sais pas Papy si vous voyez ce Pépite. sais Et pas si le. vous voyez ce que c'est, Papy ce que c'est Pépite, le pire Exhumed. c'est que je crois, mais vraiment ça remonte à 20 ans ce que je te dis là. Le boss final de Toy Story 2, genre t'as 3 boss en même temps, t'as Papy Pépite Oui, puis c'est deux ça. autres. Et Oui, t'en c'est as ça. 3 qui t'attaquent et c'est ultra compliqué. T'as l'un des trois, c'est un cow-boy, je sais plus quoi, et Ouais. l'autre, je sais plus ce que c'est. L'autre un c'est pas un robot? Merde. Je sais plus. J'aurais dit bonjour. Syndicate Wars. Attends, je vais regarder Syndicate Wars. Peut-être que ça va me dire quelque chose. Pourquoi ils m'ont attaqué? Je leur ai dit bonjour. Syndicate Wars. Attends, je vais regarder, hein. Est-ce que ça me dit quelque chose, Syndicate Wars? Syndicate Wars. Ça me dit rien, moi en tout cas. Ah! Que dalle. Oui, j'avais joué quand j'étais petit à ce jeu aussi. Attends. Je crois que. Attends, je crois. Hein. Attends, je vais re. Attends. Ah non, Oula. je l'ai confondu avec un autre jeu, non. Je l'ai Ah, je confondu me avec suis un autre fait jeu. niquer tellement tellement connement. Je l'ai confondu avec un autre jeu. Par contre, je viens de me rappeler d'un autre jeu sur PS1, c'était. Je sais pas si vous voyez ce que c'est que les bateaux. C'est que des bateaux, en fait, vous êtes sur. Bah, vous êtes sur. Ça s'est vu de trois quarts ou du dessus, je sais plus. Mais quoi? Et vous devez détruire d'autres bateaux, en fait. Mais c'est tout petit bateau, c'est une espèce de petit bateau à voile. Et vous avez des canons et tout de souvenirs et vous devez tuer les autres bateaux en fait. Je Ça sais me plus dit comment ça rien. s'appelle. Je sais pas si vous voyez ce que dont je parle. Pas du Un tout. petit jeu avec des bateaux, je sais plus comment ça s'appelle. Sur PS1. Des petits bateaux à voile à la con là où c'est des niveaux et puis il faut les. Oui, il faut couler les autres bateaux quoi. Mais c'est un peu dur comme jeu dans mes Que souvenirs. dalle, vraiment rien du tout. Je crois qu'il y a deux opus d'ailleurs. Je sais plus comment ça s'appelle ce jeu. Sérieux là? Un avion dans une grande ville, je me suis en faire. Peut-être ce combat, je sais pas. Peut-être ce combat. Tout ça. Mais ouais, non. Faut que tu les tues, les chiens, t'as pas le choix. Ah, j'essaye, hein. Non, mais tu l'as avec un slig en fait. Là, tu vas y jamais arriver. Mais j'ai essayé, mais il m'a bouffé. Bah, on recommence. En fait, je me suis fait avoir tellement connement. Mais genre. Faut le tuer avec Lucie. Attends, J-Police, je viens de trouver. Attends, j'arrête, ça me dit quelque chose, Mais quand J-Police. je dis connement, c'est pas spécialement de ma faute. C'est-à-dire qu'en fait. Comment t'expliquer? Il y a tellement des configurations bizarres dans ce jeu que j'ai même du mal à t'expliquer. Rien. Non, ça me dit rien. Tu regardes Ça me dit là. rien. Oui, je Je regarde. t'explique ce qui s'est passé. Je t'explique. Voilà, j'étais là. Tu vois? Mmh. J'ai ouvert le feu, donc Oui. je commençais à les tuer, et Oui. je sais pas par quel enchantement, mais du coup, même sans bouger, ils m'ont changé d'écran, j'étais à l'écran de droite, et je tirais depuis l'écran de droite, tu comprends? Donc j'étais à l'écran de Oui, parce droite. que oui, parce que t'es parce qu'il a un mouvement de recul quand tu laisses appuyer. Voilà, c'est ça. Et en fait, même en tirant en continu, si les chiens changent d'écran, bah ils te bouffent, parce qu'ils ont pas le temps, t'as pas le temps de les tuer, alors que c'est Bah il débile, hein, faut ça n'a pas de logique. parce qu'il faut pas laisser appuyer, faut pas laisser appuyer, faut faire voilà. Faut que tu voilà. Faut faire des petits à-coups comme ça. Tout simplement. Mais c'est fou quand même. Non, par contre, j'ai police, ça me dit rien. Parce que tu vois, j'étais là, tu vois, j'étais à droite, comme ça, tu vois, Oui, je tirais. oui. Et en fait, même en tirant en face, ils m'ont bouffé. Bah oui, mais le jeu il a fait exprès là, ici c'est pour te dire bon fais attention au recul Non quoi. mais ça n'a pas de logique, enfin. Bah si. Quoi? Alors ça c'est un petit coup de pute qu'ils font les développeurs des fois, c'est qu'ils te font croire qu'il n'y a plus de chien et en fait il y en a un dernier qui. Bah pète-le lui. De toute façon c'est le dernier. C'est le dernier survivant, t'en as plus qu'un à tuer. Il n'y en a plus là après. Ouais, il est mort. On n'est pas au petit premier coup de pute après, de toute façon, on a l'habitude. Parmi les Parmi Crash les Crash Bandicoots. Bandicoot, sympa, il y avait Lilo et Stitch. Ah oui, alors Lilo et Stitch, j'ai pas joué. Quoi Donald, qu'attaque, moi j'y ai joué moi. ouais, pareil, j'y vais jouer. Ah oui, Hugo et Ludi. Ah oui, Hugo aussi. Hugo, c'était une série Ouais, mais de. c'était un peu pété, je crois, les jeux étaient pas ouf.
Ouais, dans Souvenir, ouais, pas ouf. Il y avait Hugo le Diamant Noir où c'est du plateforme action un peu bizarre, un peu sombre quand même au niveau de l'ambiance. Et Adibou et l'ombre verte, t'as joué ou pas? Oui. Et Faudrait que je le fasse en stream, putain. il y avait. Attends, je réfléchis. Ouais, il y avait Hugo le Diamant Noir, il y avait Hugo et le Miroir aussi. Hugo les grenouilles, je sais plus quoi. Là. Les Enfin, il y a grenouilles, plein de. what the fuck? Il y avait 4-5 Hugo différents, quoi. Où c'était assez différent au niveau de comment ça se passait, quoi. Mais tellement long que je vais me punir, c'était Gubble. Attends, je regarde. Gubble. Ça me dit quelque chose de visu. Ok, Gubble. donc Ah, là. non, je connais pas. Je connais pas, par contre, ça me fait penser à un jeu. Non, encore un autre jeu. Mais je fais comment là? Me dis pas que je me suis bloqué. Je me suis sérieusement bloqué. Peut-être. Soit t'es mieux. Enfin, je m'en rappelle plus qu'il fallait le. Quoique là, j'ai l'impression qu'il te laisse le temps de courir quand même. Du coup. Attends, attends, il y a un souci là. Ouais, ça me faisait penser à un autre jeu. C'est un jeu d'arcade. Enfin, ça a l'air de souvenir, c'est largement la tronche d'un jeu d'arcade. Où t'es un espèce de robot vu de trois quarts, je crois, ou de dessus. Et tu dois tuer des fantômes ou je sais plus quoi, il faut sauver des trucs, enfin, il faut sauver des fantômes, et c'est par. Comment dire, c'est par vague en fait. Tu tues nombre percé d'ennemis et tu dois. Voilà, tu sauves des trucs, je sais plus ce que tu sauves. Et t'as des bonus et tout, et du coup tu continues. C'était sympa comme petit jeu, ça. C'était. Ouais, je me souviens que c'est un truc comme ça. De souvenir, c'était jaune, je crois, la couleur dominante du truc. C'était jaune, la salle était jaune, je sais plus ce que c'était exactement. Ça va être un robot et tout. Mickey, le Tetris Magique, un jeu peu connu, une le game over, ce jeu est assez flippant. Ça va rendre, ça me dit rien. Par contre, du coup, moi, vu que ça me fait taper des barres, moi, les game over flippants, bah. Pourquoi t'avais pas fait une save state après avoir activé le levier? Que j'ai oublié. Mickey et. Putain, il y en a encore. Ah, je suis obligé de prendre le putain de slick en fait, ouais. On avait fait exploser trop. Enfin, je vais mettre Magical Tetris. Je vais mettre Game Over pour le Game Over. Alors, du coup, le Game Over de ce jeu fait peur, on va voir. Oula, le son est fort. Et là, le Game Over. Combien il y en a, une quinzaine, une vingtaine là? Là il y en a encore un, c'est ça. Ah putain, c'est ça. Non, ça va, c'est juste des lettres en couleur qui tombent. Mickey, le Montrer Game Tetris Over. Magique, ça existe ce jeu, putain. Ouais, je viens de regarder. Ouais, bah non, je vois pas en quoi le Game Over est flippant. Normal. Ouais, il se demande si je suis pas bloqué avec Kikomi. Ouais. Parce que si c'est le cas, je dois tout me retaper, quoi, en gros. J'espère que j'ai T'es fait une chance. sauvegarde avant. Oh. Si j'ai pas fait une sauvegarde avant, je suis bloqué et le live ne sert à rien, quoi. Presque. Ah, je peux pas. De toute façon, bah. Fais une sieste près de la porte et ouais, débrouille-toi après hein, pour essayer de s'en sortir. Ouais, je vais faire Je ça. pense que sur un malentendu, je pense que ça peut passer. Hein. Ouais. J'ai des grenades, mais le problème c'est que. Bien sûr que ça me T'auras pas sert. le Et temps. je peux amener un pote avec moi, non, il peut pas traverser la Non, porte bah là. non, y'a rien. Parce que s'il prend les coups, je l'utilise en tant que bouclier humain, tu vois. De toute façon, voilà. Bah, fais une sieste là. Attends, attends. Est-ce que je peux faire? Attends, déjà. Ah non, je peux pas rentrer dans Oui, le sur un truc. malentendu, ça peut passer, je pense. Ouais, Sur je un vais tester malentendu un déjà. truc, hein, je vais tester un truc. De toute façon, t'as pas mis le choix possible là. C'est impossible. C'est impossible. J'ai essayé de rouler en fait. Ah, t'as essayé de rouler là? Ouais. Bah, cours, juste cours et saute. Hein. Essaye de courir et sauter, très rapidement. C'est impossible. Je bourrine la touche de saut. Non, il va me Non, tuer. écoute. Non, il me tue. J'ai pas le Ouais, temps. bah, il aurait fallu le tuer avant. Donc là, je suis baisé, quoi. Ah, je crois. De toute façon, t'as fait plein de save state avant. C'est où là? C'est loin? Bah non, ça va, je crois. Non, ça va, c'est pas loin. Par contre, je me souviens plus, donc je vais te demander de l'aide, là. De me dire, je sais plus ce que j'ai fait en fait. Bah, à gauche. Ok, bah c'est là où il y a le slig. Bah, je fais quoi là? Je descends?
Mais tu te rappelles plus? Non, non, mais ça me saoule, j'ai plus envie de réfléchir. Quand ça me saoule comme ça, c'est soit je quitte le jeu, soit je. Tu quittes le jeu si tu veux, hein. Ça te saoule. Ça me saoule grave là. Je t'avoue. Alors on m'a tapé ça à cause d'un truc de merde. Oh là 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 là. Et j'en suis loin, j'en suis à combien de temps? Bouge pas moi, 10 minutes. Même pas. Vas-y, je t'écoute, hein. Tu fais mon guide. Tu le. Là, Tu le? je me suicide. Bah, tu le, oui, c'est juste toi. Ok. Après, bah, tu vas juste à gauche, c'est tout. Tu vas à gauche, tu prends la nacelle, t'actives le levier, tu montes et puis c'est fini. Le levier. Non, pas celui-là. Tu prends la nacelle, j'ai dit. Ok. Et après, tu utilises le levier. Putain. Pour le coup, là, vraiment un jeu sur PS1, j'aurais bien aimé faire quand même à deux, enfin au moins 3 ou 4, c'était, ce serait Team Buildings. Alors, par contre, truc vraiment flippant, quand j'étais gosse, c'était le niveau de la maison loin avec le fantôme dans les Rav's Moquette. Et là, je vais où? Droite? Ben non, mais remonte. Mais tu te rappelles plus du niveau? Je sais plus, c'est à droite ou à gauche? Dis-moi, parce C'est que en c'est haut, pour ça que c'est je te en haut. demande. Parce que Non, sinon, c'est je tu vas te à gauche. demanderais pas. Tu vas en haut et tu vas à gauche. Oh, bah c'est ce que j'ai fait, tu m'avais dit qu'il fallait. Bref. Ben Tu non, je m'avais t'ai dit dit non. de. Ben non. Je t'ai pas dit non. C'est pas Ok. grave. Bon, ouais, bah, safe state si tu Ça veux, me safe casse state. les couilles, mais d'une puissance. Oh là 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 là. Bah, là, c'est un peu de ta faute pour le coup. Ah non, c'est de la faute du jeu, c'est ça que tu comprends pas. Vas-y, vas-y, vas-y. Rentre dans la porte. La faute entièrement du jeu, parce que le fait d'être bloqué à cause d'un slick, t'as même pas eu la possibilité, une seule possibilité de t'en sortir. Bon, le jeu, d'habitude, il est un jeu intelligent, il te donne plusieurs solutions pour t'en sortir. Là, Bah, là, c'est l'un des moments où le jeu il te laisse pas d'autres solutions. Parce qu'il faut aussi des bons jeux de Bugs Bunny en voyage dans le temps. Oui, je me rappelle de ce jeu-là, j'avais beaucoup aimé. C'était très sympa ce jeu. C'était très très ah, sympa Maxi ce jeu. Delirium, je connais Only. C'est plein de mini-jeux, c'est ça. Genre, tu dois bouffer le plus de trucs possible, hein. T'as un espèce de repas, une Astérix, espèce de t'es banquet où tu beau. dois bouffer le plus de trucs possible. Attends, j'essaie de me rappeler. Il n'y avait pas un Astérix en 2D aussi sur PS1? C'est peut-être la bataille de Gaulle. Je crois qu'il y en avait. Oui, je crois que c'est celui-là. Attends, je regarde. Oui, c'est celui-là, oui, que j'avais bien aimé aussi celui-là, même si c'était un peu dur. J'avais pas tout compris en fait. Oui, non, il est pas en 2D, il est en 3D. En 3D bizarre. Ouais, je me rappelle de ce jeu. Bah, j'avais bien aimé quand j'étais petit. Astérix et la bataille de Gaulle. Les Rav's Moquette, alors moi je me rappelle. Je sais plus. Enfin, j'ai peu de souvenirs. Je me rappelle avoir joué à ce jeu, mais j'ai peu de souvenirs. Mais bonne nouvelle, j'entends, par contre, j'ai pas mal de souvenirs. J'ai pas mal de souvenirs à rendre. Donc là, rappelle-toi qu'il faut le tuer, l'autre. Celui qui est Ah, vas-y, devant je la t'écoute porte. du coup, je descends là. Bah oui, enfin là, de toute façon, t'as pas beaucoup de solutions, hein. Oh putain, j'avais en plus j'avais super bien joué là. Ça va me casser les boules. Voilà, là il y a les trois qui arrivent. Next view. Je vais tuer celui-là. Ah non, je peux Tu pas. vas. Le but c'est un move que j'aime bien aussi. Ça me dit rien de nous comme ça. Ok, là j'ai bien joué, ça Ah oui, non, ça. Ah oui, ça, je vois ce que c'est, mais ça, j'ai jamais trop. Enfin, ça a jamais été ma tasse de thé, ça par contre. Ça a jamais été ma tasse de thé, comme gameplay. donc là je me suicide, je pense. Ouais. T'as fait safe ta foison, hein, si t'en as marre de tout trop taper à chaque fois. Bah, j'en ai grave marre. Hop. Ok. Bust a move, j'ai jamais joué. Descends. Donc, là, il Et faut que quoi j'aille pour en le jeu bas. ici? J'essaie de me rappeler, hein, mais c'est vrai que j'ai du mal avec mes souvenirs, quoi. Mais du moment que j'ai l'image, c'est bon, quoi. Je suis baisé, non? Oui. Ok, c'est arrivé, je suis baisé. Donc, je vais faire la strat du haut. C'est pas grave. Ah, c'est dommage, franchement, c'est. Mort. Ouais, il y a des petits soucis comme ça qui rebutent un peu, enfin qui entachent le plaisir de jeu.
c'est le type de jeu qui te plaît pas de base, donc à partir de là. Bah. Moi je pense qu'il aurait pu être mieux fait en fait. Je bah, pense y a que plein de s'il avait trucs. été mieux calibré sur pas mal de trucs, j'aurais pas pesté autant quoi. Il y a plein de trucs qui corrigent l'Exode, hein, justement, au niveau du gameplay. Hein. T'as un Donc autre truc, tu vas puis me même il est motiver plus à le amusant. faire. Hein. Le plus amusant, oui, mais après il est plus long et puis ça te fera chier quand même, de toute façon, qu'il arrive. Donc. Ah, j'ai réussi. Bon bah là, souviens-toi que celui de droite faut le tuer, absolument. Ouais. J'aurais dû te le dire, mais je m'en rappelle plus. Il y a Enfin, plusieurs façons de le faire. je m'attendais à ce que tu le tuais en fait, hein, sans un. C'est ce que je voulais faire. On a dit qu'on s'en fichait des potes. Hein. X-Hunter the Gecko, un jeu de plateforme où le niveau est inspiré par des émissions de télé. Oui, je vois ce que c'est, la tronche du truc, mais c'était très. Je sais pas pourquoi, mais quand j'étais petit, moi je trouvais ça très cheap en fait. Je sais pas pourquoi. Je trouvais ça ultra cheap, hein. Mais je sais plus du tout pourquoi, je sais pas, je. Je sais pas. Dans ma tête, c'est pas, c'était. C'était émergent. Mais il est mort ou quoi? Qui est mort? Putain, lui là. C'est toi qui est mort. Et bien en voûte. Que fais-tu, jeune fou? Et je peux l'avoir de là ou quoi? Oui. Je sais pas s'il est mort là. Oh putain. Non. Mais tu peux le tuer comme ça, oui. Et je crois que c'est ce que le jeu veut que tu fasses. Je sais pas. Non. Il va se retourner, il va te tuer, va. Quoique. Ah, il est pas mort là. Ah, il est mort, c'est bon. Tu Ouf. Bordel. Je vais me reprendre des mines. C'est ça là-bas. App Escape aussi, bah j'avais voulu le refaire, mais j'avais joué à la démo quand j'étais petit. J'avais voulu le faire là, mais le problème c'est que le jeu en fait il comment dire il exige Ah, c'est le truc avec les singes là. Les singes qu'il faut mettre dans, il faut attraper un filet, un papillon. Attends, c'est oui, c'est le jeu qui exige une manette PS1 avec le truc analogique. Tu peux pas jouer au Quoi? jeu avec les codes actionnels. C'est énorme. En fait, je sautais pour m'amuser et je me suis pris un mur. Voilà. Tu est-ce peux que même tu as pas connu t'amuser ce dans que le jeu. manquait? Non, mais je vois la jaquette. Je vois la jaquette du truc, mais j'ai pas joué au jeu, me semble. Attends, je vais regarder. Je vois la jaquette du jeu, mais je suis sûr de pas avoir joué au jeu. Ouais, c'est ça. J'ai pas joué au jeu. Je sais pas, moi, quand je voyais la jaquette du jeu, quand j'étais petit, moi, ça me bottait pas, perso. Je vais être rongé truc, ça me bottait pas du tout. Ah, c'est dans ce jeu là où il y a la tête du mec bizarre. D'accord. Il y a un décalage que j'ai commis, n'hésite pas à faire F5 parce que le coup du fail c'était il y a. Mais ouais, non, franchement, ouais. Ça me. La jaquette, ouais. Ah ouais, je me fais pas mal. Pas mal au. Au jaquette. Escape, ça fait partie des jeux, j'aurais bien aimé faire régulièrement Dungeons & Dragons ou FF9 aussi. Mais malheureusement, non. Moi quand j'étais petit, je me rappelle, les seuls, bah, les FF, moi c'était trop compliqué pour moi quand j'étais petit, donc du coup, bah, je regardais mon grand frère y jouer. Je crois que j'avais failli jouer au 7. Puis à un moment, il en a eu marre de moi et du coup, bah, il fermait la porte quand il jouait. Du coup, il voulait plus que je vienne dans le jeu. C'était un tyran ton frère. Ah oui, non, mais lui. Du coup, je peux plus regarder jouer. Très triste. Parce que moi, en plus, moi je me rappelle quand j'étais petit. Ah oui, je me souviens pourquoi en fait il m'avait fait ça. C'est parce qu'en fait quand il allait au Gold Saucer en fait, je me rappelle quand j'étais petit, j'arrêtais pas de lui dire ouais vas-y fais le jeu, fais les jeux. Quand j'étais petit. Quand il allait au Gold Saucer, j'avais la musique et tout trop entraînante, tu sais. Et quand j'étais petit, je me rappelle, je sais plus quel âge j'avais, hein, j'avais peut-être 400, 4 ans, 4 ans, 5 ans. Moi ouais, je lui disais fais les jeux et tout. Je me rappelle. Et du coup, ça l'avait saoulé. Ah, tu lui avais trop. T'avais trop spammé ça. Les 102 Dalmatiens, j'y ai jamais joué, Only. Moi, j'y avais joué, je l'ai fini même. Je l'avais fini même. Je me rappelle. Je suis con, je l'ai déjà activé avec le sling. Ok. Je me rappelle. Okay. Ah, normalement, je suis bon là. Oui.
Il devrait atteindre la fin du jeu, j'espère. Voilà. I hope. Very ah oui, much. Alors en fait. Le SIG hip-hop. Non. Arrête tes conneries. Ah si. Bon, du coup, la porte elle est activée. J'ai combien de trucs? 3, ça va. J'ai fait les chiffres au jeu. Mais vraiment, les deux tech PS1, moi, celle que je connais le plus, clairement. T'as fait Resident Evil ou pas? Arc Adventure, attends. Les RE. T'as quoi? Les Resident Evil, tu les as fait? Quand j'étais petit, non, mais je vais regarder ma mère y joue. À tous, hein. Je précise. Arc Adventure. Je vois le truc, je l'ai pas fait, mais je crois voir le truc que c'est. C'est pas le jeu où il y a une. C'est... Oui, c'est ça, c'est vu. C'est un truc genre style cartoon et tout, là, ouais, ah, c'est vu de vu de côté. trois quarts. Hein. Non, vu de trois quarts à peu près. Vu de côté. Sauf qu'il y a des séquences où bah, c'est un peu différent, je crois. C'est, je crois que t'as Ah, une pour moi, vue c'est. un peu en 3D quand tu te fais poursuivre. Ouais, enfin, c'est plutôt vu. Ouais, c'est vu de trois quarts, vu de dessus, c'est un peu bizarre. Mais oui, je vois, je l'ai pas fait ce jeu, mais je vois ce que c'est. Oui, je l'ai connu quand j'étais petit aussi. Mais j'avais. Buzz l'éclair basé sur le dessin animé que j'avais pas Ah fait. oui, Unleash, je vois ce que tu veux dire, c'est un truc de course où tu dois tirer, c'est à la fois de la course et du tir. Non, Je l'ai sur Dreamcast. ça me dit Moi rien, ça me alors. dit, c'est un truc de course Unleash avec du tir et t'as des boss à chaque fin de niveau, c'est pas ça? Comment ça je confonds avec Hercule de Disney? Ah non, je confonds avec Erx, oui, Erx Adventure, désolé, autant pour moi, Oui, non, William. Hercule, c'est 2D, oui. Non, Je là, Arc confonds Adventure, les mecs, c'est un truc de excusez-moi. 3, en vue de 3 quarts et ça n'a rien à voir. Mea culpa, mea culpa. Mais oui, Bon, je vois ce que c'est. Enfin, je me rappelle, j'avais, je pense, enfin, je sais plus comment, je me rappelle, j'avais connu petit, je me rappelle pas avoir joué au jeu, mais je me rappelle l'avoir vu. Quand j'étais petit. Mais je sais plus où. Je sais plus. Mais, ça, Hercule, j'avais fait. Hercule, j'ai jamais réussi d'ailleurs à voir la préfin. J'avais jamais compris comment jamais on faisait joué. pour voir. Il y avait ça. J'ai pour but de le Il y faire en avait. stream. Il y avait Mickey Mania aussi sur PS1 là, pareil, j'avais jamais réussi à voir la fin. Pas la vraie fin. Ok, je fais Parce que je donc. comprenais pas en plus, parce que je regardais la jaquette, je voyais qu'il y avait des niveaux que j'avais jamais vu dans le jeu, et quand je finissais le jeu, bah, je voyais pas ces niveaux que je voyais sur la jaquette et je comprenais pas. Je comprenais pas ce que le jeu voulait que je fasse. Hein. Enfin, moi je savais pas lire aussi donc, quand j'étais petit, donc le jeu disait sûrement ce qu'il fallait faire pour avoir les vraies fins, et du coup, voilà quoi. C'est partie des jeux qu'il faudrait que je refasse. Attends, Mais il j'essaie était de pas me ouf refaire. du tout le buzz l'éclair, je te jure. Moi je me rappelle il était chiant au niveau de la plateforme. En plus il était pas évident, tu te faisais crever facilement. Mickey Mania, ouais super sympa. Attends, j'essaie de me rappeler. Mickey Mania, il faudrait que je le refasse d'ailleurs pour me venger du jeu. Mais Mickey Mania c'est un peu le même que sur Super NES, sauf que c'est la version PlayStation, elle a des pistes de qualité CD en fait, c'est normal des pistes audio de qualité CD. Et je crois un ou deux niveaux supplémentaires en fait par rapport au plus Super NES. Là, on va save. Je réfléchis là. Comment il s'appelait le jeu du ballon? Déjà, on avait dit Q Cula ou la World. World. Puis la World, voilà. Fallait que je me domaine leur télécharger sur émulateur. Pourquoi tu veux balancer une mine? Un SIG? Quoi? Qu'est-ce qui s'est Mais passé? pourquoi tu veux le tuer? T'es pas obligé de le tuer. Tu peux le passer large. Je l'ai pas eu. Non, je Pourquoi est-ce peux que pas tu le es passer obligé? là. Bon, les Medieval, je les ai fait évidemment. J'ai Ah, vu. tu l'as vu. Je Je pouvais pas les le ai fait passer comme évidemment, ça. les Medieval. Alors, le 2, je les ai fait. Putain, je me rappelle plus qu'il y avait tellement de jeux que j'ai, mais il y a tellement aussi. Sinon, j'aimais les Earth Rocket. Pour leur cinéma aussi. Mais alors, je dois le faire. Oui, j'avais eu ce jeu et j'avais pas trop aimé de souvenir. Je l'avais eu, j'avais pas trop aimé. Si je me rappelle bien. Bon, Crash Team Racing, évidemment, je l'avais eu quand j'étais petit. Crash Team Racing qui était très dur, qui était dur comme la mort, mais plaisant. T'as vu qu'il y avait les ombres? Rappelle-toi que tu peux te cacher dans les ombres hein, pour pas qu'ils te voient. Ouais. Rappelle-toi, hein. Pas d'ombre là. Ah si là. Si? Peut-être qu'il Approche-toi. va me voir là. Approche-toi. Attends. Voilà, c'est bon. Cours. Cours. Non, non, c'est bon. J'espère que c'est Attends. bon. Crash Bash que j'aimais bien. Ah oui, Crash Bash aussi, je l'avais eu aussi quand j'étais petit. Pareil, très dur aussi, je me rappelle. Enfin, très dur. Peut-être pas très très dur, mais dur, quand même très dur. Je me rappelle. Ah putain, vous dire, tu me fais penser à un souvenir, Newman. Je me rappelle, j'avais passé un jour. Quasiment une nuit entière. Quasiment. Pas une nuit blanche, mais presque. Je me rappelle, il y avait. J'avais. Putain, je viens de me souvenir. Il y avait un ami.
J'avais un ami quand j'étais petit, bon, qui était plus grand que moi, qui avait 3-4 ans de plus que moi. Je me rappelle, on avait joué à GoldenEyes 64, là. On a joué peut-être 2 heures. Après, ensuite, on a joué à Crash Bash. On a joué à Crash Bash, je crois, mais pendant, je sais pas, 4-5 heures jusqu'à 4 heures du matin, je crois. Je me rappelle. Quand j'étais petit. On avait joué jusqu'à 4 heures du matin, on avait torché le jeu de ouf. On jouait à deux, bah on faisait le solo à deux. Jamais joué. Crash Bash, très bon. Bah, c'est un party game très amusant. Comme un peu Mario Party, sauf que la plupart du temps, le but c'est de défoncer son adversaire, quoi. Mais t'as des mini-jeux très sympas, très intéressants. En plus, c'est un jeu qui peut se faire à deux. Tout le solo peut se faire à deux, ça qui est bien. Alors, ça peut te motiver, t'es quasiment à la fin du jeu. T'es à 15 minutes de la fin du jeu, là. Ça peut te motiver. D'accord, ouais. Par contre, je vais peut-être vous laisser parce que là, le stream freeze et je vais finir par être super décalé, ça va être chiant. Ah merde, ça freeze! Pourtant, j'avais déjà baissé le bitrate, peut-être que je le baisserai à nouveau dans le futur, je ne sais pas. Peut-être de 500, j'en sais rien. Bah, merci en tout cas, Kikumi, d'être passé, c'est très sympa de ta part. Et bah, je te dis bonne soirée à toi. Et la prochaine fois, j'espère que ça ira mieux, je changerai, Ah je pense, bah bonne soirée du je coup, ouais. changerai Promis. les données. Allez, bonne soirée à toi, mec. Il y a une autre Salut. que j'ai perso si on perd mon oncle. Attends, je vais voir mon chien, j'arrive. Ah mais le mode bataille de Crash Team Racing, il était très sympa de souvenir. Bon moi j'ai peu joué mais je me rappelle qu'il était bien. Je me rappelle qu'il était sympa. Le mode bataille. Et quoi encore je l'ai joué, mais trop de jeux, il y avait trop de jeux sur PS1, trop de jeux. Ah oui, Dino Crisis 2 aussi que j'avais torché aussi quand j'étais petit. J'ai jamais fait le 1, par contre j'avais torché le 2. Le 2 qui était largement centré sur l'action et tout. Dino Crisis 2 aussi. Je me rappelle d'ailleurs quand j'étais petit, j'avais Ouais. retenu le. Re, j'avais retenu le. Comment expliquer? J'essayais d'imiter le cri du T-Rex quand j'étais petit de Dino Crisis. Et justement, j'avais. Quand j'étais petit, j'avais un jouet. C'était un T-Rex. Et d'ailleurs, le T-Rex, je l'ai arraché. Ses bras quand j'étais petit. Oula. Et je faisais chier mes chats avec ce T-Rex. Et en fait, j'avais un T-Rex en caoutchouc. Ce T-Rex était en caoutchouc, en fait, ce jouet était en caoutchouc. Et du coup. Et qu'est-ce que je voulais. Ouais, en fait, j'appuyais sur le cou du T-Rex et puis j'imitais le cri du T-Rex en même temps et je le faisais avec mes chats à côté, en fait, pour les voir leur réaction. Et en général, ils avaient une mine ennuyée, c'était en mode putain, il nous fait chier lui. Ce sale gosse. Alors là, je t'explique, le but c'est que de tirer droite à gauche sur les sligs. Les slugs, pardon, les chiens. Je sais plus rien. Ils sont morts, tu les as tués, là, ça y est? Non, j'ai tué personne. Hein? Ouais, bah. Voilà, bah, bonne chance. Y a un truc à terre, je sais pas trop ce que c'est. Il y en a combien là? Ça aurait pu. Putain, on a eu le, on a eu le. Alors, si c'est le même jeu, c'est marrant parce que j'ai eu le jeu, ce jeu-là, mais de la même manière, c'est-à-dire on me l'avait prêté. Enfin, on me l'avait. Non, enfin, oui, on l'avait prêté, pareil. Ça Bon, c'est un va jeu. s'arrêter au bout d'un moment. Je l'avais moyennement aimé, mais. Ouais, c'est moyen à 50. Je l'avais moyennement aimé de souvenir, mais bon, j'avais fait. Je sais pas, je sentais que le Mal au jeu était pouce. incomplet. Je sentais que le jeu était incomplet dans mes souvenirs. Quand j'étais petit. Attends, j'essaie de me rappeler. Il y avait un autre jeu, pareil pour Yu-Gi-Oh! Surtout qu'il fait une. Ouais, le par contre, Yu-Gi-Oh! J'ai pas eu. Quoi? Voilà. Il y a Plein quoi de à bruit. droite là? Il y a quoi à droite là? Ah, je suis mort en gros là, je peux plus jouer. Bon, bah, va à droite pour voir ce qui se passe. Il se passe quoi à droite déjà? Je sais pas, j'ai pas été encore. Mais pourquoi tu sautes par-dessus? C'est des mines qui sont pas. Ne Ah, pas c'est un toucher. chien. Non, je suis baisé là ou concrètement? Bah je sais plus, va voir. Ah oui, bah je crois que t'es baisé, oui. Il aurait fallu que tu tues les chiens là où tu t'es fait buter, là par le slick. Enfin, le slick s'est fait buter, il aurait fallu que tu. Ou tu peux essayer de l'avoir aussi, bah envoûte-le lui. Essaye de te rattraper. Ah bah non, il s'est suicidé. Ouais, ça va être Il s'est suicidé, il compliqué. sait. Je sais que j'avais Spider-Man aussi avec Electron, grand méchant. Mais... alors moi j'avais. Alors est-ce que c'était Spider-Man 2? Attends, il y en avait plusieurs sur PS1 de Spider-Man. Parce que moi je sais, j'en avais eu l'un des deux. Et je l'avais fait. Alors Attends, est-ce que ils m'ont c'était dit de le pas 1 toucher, j'ai ou le touché. 2?
Non, c'était le 1, je crois que j'avais. Oui, c'était le 1. J'avais pas eu le 2, je crois. J'avais eu que le 1. J'ai compris alors que tout serait bientôt fini. J'ai gagné. Et comment ça a gagné? J'ai activé le truc, ça a fait une cinématique. Bah et alors? Il a dit quoi, un cinématique? Il a rien dit. On va dans la porte pour voir. T'as cet espoir quoi, le mec il fait j'ai gagné. En gros je suis baisé quoi, c'est ça? Bah je sais pas moi, je... Regarde. Ah tu l'as fait 10 fois. J'ai pas fait 10 fois le jeu. Calme-toi. Ah tant mieux, parce que la séquence où tu dois abattre à la chaîne des... Ouais, moi j'ai essayé de faire le 1. Ah bah t'es à la fin, save state. Là je sauvegarde là. Oui. T'es quasiment à la fin du jeu. C'est la dernière phase. Ok, 2. Par contre là, il n'y a pas le temps de rêver, hein. Il n'y a pas le temps de niaiser là, hein. Il faut se grouiller. Ça va être un coup à la fin de Super Metroid, le Mozart, tu dois t'enfuir là. Bah tu vas voir, normalement il y aura une cinématique. Ok. Donc écoute ce qu'il dit. Ah. C'est Moluc, le glucon. Moluc a vu ce que je faisais. Il était fou de rage. Okay. Il ordonna tous de nous tuer. Merde. Ah, donc là, il n'y a pas le temps de réfléchir, hein. Faut courir. Hein. Faut pas. Voilà. Enfin, il faut courir, mais il faut bien faire aussi. Donc là, c'était pas assez rapide. Dans une minute, un peu moins de 2 minutes, t'es mort. Alors, j'avais tendance aussi sur PS1, quoi? Oui, bah... Je me suis pas accroché au truc, là. Qu'est-ce que je voulais dire? Non, je suis réussi, ça va mieux. Ah bah, ça va mieux, finalement, pour cool. Kukumi. Tant mieux. Pandemonium, j'avais joué à la démo du 2, j'avais trouvé ça sympa, mais c'est un peu trop bordélique au niveau, parce que des fois, tu sais pas où tu es quand tu sautes, enfin, c'est bizarre. Tarzan sur PS1, par contre, j'avais moyennement... Par contre, ils ont été bâtards avec moi, je veux pas dire, là, mais... Comment ça? Qu'est-ce qui était bâtard, je vois en vrai. Je peux pas te dire que je me concentre. En fait, j'ai sauté. Ah non, tu peux pas t'accrocher, d'accord. Okay. Ah non, c'est il y a un mur, t'as bien vu. Mec, il veut s'accrocher là, il y a un mur. Beaucoup plus barré que le premier, Shiro, donc je pensais le premier qui est plus classique et sympa. Bah, tu sais, moi le 1, alors moi en fait, le 1, P2001, je l'ai eu en cadeau de stage, de fin de stage, bah, de magasin de jeux vidéo où j'étais allé là. Et bah, je trouvais ça sympa, mais c'est pas. Mais enfin, putain, c'est quoi cette merde là? C'est pas ça, vous faire. Oh là 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 là. Enfin, je sais pas, j'avais trouvé ça frustrant comme jeu en fait, parce que t'es sans cesse, souvent quand tu fais des sauts en fait, t'es sans cesse, hein, souvent t'es sans cesse en train de te demander où tu vas atterrir en fait, est-ce que tu vas atterrir en bas, en haut, est-ce que ça va être vers la droite, vers la gauche, est-ce que je vais atterrir dans le vide, est-ce que je vais atterrir dans Démonium. Ah. Du coup, je trouvais ça chiant moi, non, je me souviens. En gros, le gameplay, t'es mal foutu. Bah oui, c'était mal foutu, je suis désolé. C'était intéressant, niveau l'idée, mais c'était en pratique, c'était mal foutu, je trouve. Je peux pas descendre quand je suis pas debout, ok. Et si je reste appuyé sur triangle, est-ce qu'il saute en continu ou pas, ou je dois faire des à-coups? Normalement il saute en continu. Bon, ça va, ça. Ok. Après oui, il y avait le jeu avec les bateaux, ça dit rien Newman, le jeu avec les bateaux là. Moi ça. Bateau à voile, bateau à voile. Donc là tu as compris ce qu'il fallait faire. Moi non, j'ai pas vu. Non, c'est bien. Hein. Bah ouais. J'aurais bien aimé le retrouver, ce jeu-là. Parce que dans mes souvenirs, c'était sympa. Peut-être avec des détails pour essayer de retrouver, mais moi je connais pas assez bien là. C'est un jeu vu de dessus, faut. Comment dire, faut. Ouais, c'est ça en fait. C'est vu de 3/4, pardon. Et il faut détruire d'autres petits bateaux, et c'est un truc de. Ouais, c'est une espèce de jeu. C'est pas vraiment un jeu d'aventure, c'est plus un jeu en fait où t'es sur des espèces de maps. Que de l'eau en fait. Comme c'est sur un plateau, comme un peu dans un jeu société bizarre, et puis il y a des trop de bateaux quoi. Ah
Ah, peut-être. Oui, c'est. Oui, on peut dire ça, ouais, je pense. Desert Strike, je connais. On peut dire ça, je pense, ouais. C'est une espèce, peut-être, ouais, une espèce de Desert Strike, ouais. Peut-être, ouais. Après, je sais pas, parce que Desert Strike, je crois qu'il y a des missions et tout, alors que là, je crois que les missions, moi, ce que je me souviens, c'était il fallait surtout détruire des bateaux, donc après. Je commence à m'énerver, c'est pas bien. Mais au niveau de comment Ils sont c'est très. présenté, je dirais que c'est peut-être pareil, ouais, à peu près. Sauf que, bah, pas être dans l'hélicoptère, bah, t'es. Voilà, quoi. Y a rien de compliqué pour l'instant. Ok. Alors attends, regarde, Overboard Hero, c'est ça. Ah attends, ça me dit quelque chose Ah, peut-être. ils veulent me faire un saut à la frame. Overboard, attends, je vais J'ai regarder. réussi. Overboard Ah, deux fois. FS1. Attends, je regarde. J'ai réussi deux fois le Oui, saut à la c'est ça, frame. merci. Merci au Newman, c'est ça, ouais, c'est ça, ce jeu-là, ouais. Ça y est, merci, merci au Newman. Enfin, je refasse ce jeu, merci au Newman. Merci beaucoup, Newman, je voulais le retrouver ce jeu. Merci, c'est ça. C'est ça, merci. Là, je suis Merci mort. beaucoup. Je me suis Ah bah fait tuer. t'as fini le jeu, GG. Ils m'ont Bah regarde tué. la, regarde la cinématique. Non mais ils m'ont tiré dessus, je suis mort, ça a pas de logique avec la cinématique. Normalement ils sont censés te foncer Oui, dessus en fait, c'est enfin bref. vrai. Ah, ils m'ont tué. J'ai sauvé Écoute, Ludo. non ils t'ont pas tué, ils t'ont assommé, tu veux mais Mais rien, qui tu veux va mais ce me qui se passe. sauver Tu reverras la rediff, maintenant? mec. Non mais je sais, c'est juste Moi que je suis c'est... Ludo. Attends, C'est comme face ça. à face avec Moluc le glucose. Monsieur Abe vous a tué. Vous l'avez vu? Il a rien fait. Abe est l'un des nôtres. Oh les Il est bâtards. pas copain. C'était vraiment pas C'était un tueur. C'est. C'était un os. Et toi, qu'est-ce que Mon fils. Un boss. C'était vraiment pas un copain, c'était un. Oh les bâtards. Voilà. C'est trash quand même. Déplace-toi discrètement en douille. Tu combats toujours pour détruire Rupture Farm, alors secoue-toi car tu n'as pas sauvé suffisamment de Mudokons. C'est drôle de les faire sauter, mais tu dois au moins sauver 50. Ah. Voilà. Ça doit faire mal. Voilà. C'est trash La quand même. balle de la mauvaise fin. Ah, ils te remettent au début de Rupture Farm. Enfin, je veux dire Au à la début séquence de... où Oui, au j'avais début de le ça. début du live, quoi. Ouais. Ah, ça veut dire qu'en gros. Admettons que j'ai sauvegardé aucun Mudokon jusqu'ici, là il y en a assez pour finir le jeu. Ah, c'est pour Je ça. pense oui. C'est pour ça qu'ils me remettent là. Oui. Bah, je pense oui. Bah sinon il le ferait pas. D'accord. Ah bah du coup ça je le ferai en off. Bon bah c'est T'auras cool, on a pas, au fini. moins t'auras pas à refaire le jeu. Mais du coup la fin là elle était. Comme c'était la mauvaise fin, elle était ultra rapide. Oui, elle a, bon, après elle est un peu plus longue la bonne fin, mais La bon. bonne fin, j'imagine qu'il y a un truc un peu plus intéressant quand même. Bah, c'est plus joyeux quoi. Là, bon, c'est déprimant quand même, c'est badant. Putain. Bon là tu vois pas, bah, tu vois du sang quoi, tu vois les morceaux de viande, c'est dégueulasse quoi. Bah dans le 2 c'est pire, il se fait torturer à mort. Au moins il a une mort rapide. Là dans le 2 Sérieux? il se fait torturer à mort. Mais j'espère que tu C'est vois il se... rien. Bah si tu le vois justement, il se fait électrocuter à mort. Du coup ils te laissent crever, ils s'embêtent. Mais c'est énorme, ils ont dit quoi? Ils ont dit ah c'était vraiment pas un bon copain, je sais pas Oui ils ont quoi. dit, bah en gros ils t'ont traité de naze, ils ont dit que tu les ai laissés Ça crever m'a et du tué coup... quand même, c'était un naze. Ils t'ont laissé crever, mais en plus ils sont plus violents en anglais, on n'entend pas, mais ils sont plus violents. Te disent en gros bah, que tu peux crever quoi, que t'es un connard quoi. J'ai tué quasiment tous mes potes, ouais. Tu peux les. Tu peux. Ils voilà, t'ont C'est été énorme, putain. laissé crever quoi. Alors que si tu les sauves, bah ils vont te sauver quoi. Épique. Bon bah du coup, je ferai un off, je pense, la vraie fin. Qu'est-ce qu'on peut faire là? Il n'y a pas grand-chose à faire, là. De toute façon, à moins de On refaire la peut, tu séquence. peux, oui, non, tu peux t'arrêter là. Hein. Et Tu peux j'hésite, je t'arrêter là. pense que pour ce soir, je vais m'arrêter. Il y a du Mario Land qui m'attend, mais là, je commence à fatiguer un peu. Oui, voilà, de toute Autant être façon, chaud pour la prochaine fois. une demi-heure après. Ah bah c'était sympa, écoute, si je dois faire un débrief. Ah bon? Putain. Non mais en fait, comment dire. Bah je reconnais que le jeu est bien foutu. À part, voilà, il y a des petits trucs qui auraient pu être corrigés malheureusement pour moi. Et J'ai puis peur un peu. surtout le système de cran, comme je l'ai déjà dit, c'est un peu trop rigide pour moi et je sais pas, c'est un jeu pour moi qui manque de souplesse en fait. Mais c'est dommage parce que la direction artistique est géniale. Franchement, à l'époque, ça devait être un truc de fou.
Ça doit être très très joli au niveau des ambiances, des décors, tout ça. Le truc des voix, même en VF, ça passe super bien, je trouve. C'est, les VF sont géniales, enfin, surtout celle de Abe. Les environnements sont sympas, les mécaniques de gameplay sont sympas, et surtout, encore une fois, pour l'époque, ça devait être très original. Je suis pas sûr que ça se... Il y a un petit mélange entre le côté un peu Lemmings, tu sais, le fait de donner des ordres un peu aux bestioles. C'est sympa, c'est bien fait. Après, est-ce que c'est mon genre de jeu? Je suis pas sûr. Je pense que c'est un peu trop rigide pour moi. Et je pense qu'il y a plein de moments dans ce jeu-là, malheureusement, qui m'ont fait tilter parce que tu sens que que t'es obligé de crever ou que les développeurs te trollent, en fait. Et tu sens quand même à plusieurs reprises la fourberie, et ça, j'aime pas la fourberie dans les jeux. Ce que dommage, c'est qu'il y a pas, il y a quelques trucs que t'as pas, je sais pas pourquoi, mais t'as pas enregistré, en fait. Ah oui, ça, non, mais attention, il y a plein de moments où j'ai... En fait, soit j'ai mal exécuté ma manipulation, genre je sais ce qu'il faut faire, mais je me trompe de touche. Ça, c'est une grosse partie de mémoire, ça, y a pas de souci, je l'avoue. Il y a aussi une partie, comme tu dis, où justement j'ai... j'aurais dû retenir, par exemple, depuis le début du jeu, qu'ils t'apprennent à... Par exemple, tu sais, quand tu m'as appris, tu m'as dit « Ah, n'oublie pas cette technique, il faut aller tout doucement, il faut marcher. » Et genre, à un moment du jeu, j'oublie qu'on peut marcher, tu vois. Donc forcément, je crève plusieurs fois jusqu'à ce que tu me dises « Ah bah, rappelle-toi, je t'avais dit qu'il y a un élément crucial, machin. » Là, je cherche, mais merde, je trouve pas. Et au bout d'un moment, « Ah, bah putain, j'avais oublié qu'on pouvait marcher. » Donc ça fait partie de mon deuxième temps, entre guillemets. Voilà, hors contexte, ça fait un peu bizarre quand même. Hein. De quoi? J'avais oublié qu'on pouvait marcher. Ah, dans la rue, j'ai oublié qu'on pouvait marcher, du coup je roulais, en fait, et les passants me disaient « Putain, mais il est bizarre, ce type. » Et ouais. Et donc ça fait partie du deuxième truc, mais le troisième truc, c'est plein d'éléments fourbes du jeu, quand même, hein, qui... Quelques-uns, ouais, mais pas tout le temps. Bah, le coup du rocher, mais franchement, c'est des dizaines, il n'y a pas que ça, il y a le coup de... Bah, le slig qui était là, en fait, si tu l'avais pas tué, t'étais bloqué, t'étais dans la boucle, en fait, tu devais être... Ouais, mais le jeu, il avait prévu que tu le tues, en fait. Ah, le jeu, mais justement, le jeu n'a pas forcément tout prévu, parce qu'il y a des strates émergentes que j'ai pu faire, t'as vu, lors des lives précédents, où j'ai passé le jeu sans que... Je pense pas que ça soit vraiment prévu par les développeurs, tu vois, c'est des trucs... Des fois, je suis surpris de réussir, des fois, je me dis « Ah tiens, pourquoi je suis pas mort ?» Je sais pas si tu te rappelles la séquence dans les ombres, là, les ombres chinoises. Des fois, le slig me passe à travers, et des fois, t'as rigolé, t'as dit « Putain, je sais pas comment t'as fait, là, même moi, j'étais... » Bah, il passe à travers, c'est pas grave, ça. Mais justement, je pensais qu'il allait me planter avec ses sortes de défense ou un truc comme ça, tu vois. Quoi? Ah oui, le comment ça s'appelle, l'ennemi là qui est vachement méchant là. Scrub. Voilà. Et bah, ben, à un moment, quand il y a la séquence d'ombre chinoise et il me passe à travers, je pensais qu'il allait me planter, mais en fait non. Et ouais, je reconnais qu'il y a des qualités. Après, c'est pas un jeu qui va forcément me donner envie de le refaire. C'est trop exigeant pour moi, en fait. C'est pas comme un Souls, parce qu'un Souls, j'ai plus de patience parce qu'il est... T'as l'impression que, je sais pas comment dire, je vais pas dire qu'il est mieux foutu parce que c'est un peu méchant, mais j'ai l'impression que là, le jeu te sèche direct, hein. Des fois, à plusieurs moments, il est punitif, tu vois, et ça me rebute. Mais bon, encore une fois, je pense que si je l'avais connu à l'époque, j'aurais peut-être appréhendé le jeu différemment. Je pense que voilà. Et toi, vas-y, n'hésite pas à donner ton avis, parce que tu l'as connu, t'étais gamin, t'avais quoi, 9 ans? Ouais, je sais plus, moi, dans cette tranche-là. Ouais. Et t'as eu la patience, vraiment, de le terminer? Bah, le jeu, moi, j'étais curieux de voir la fin du jeu, quoi. Quand t'es petit, t'es curieux de voir la fin du jeu, t'es le jeu, bah, il m'amusait bien, j'ai bien univers et tout ça, quoi. Et c'est intéressant, parce que c'est ce qu'on disait aussi quand on avait fait le petit débat lors de mon live de Rayman, c'est que... Bah, c'est la curiosité vraiment qui en grande partie te pousse à avancer, quoi. Et surtout quand t'es gamin, voilà. T'as envie de voir la suite. Et là, aujourd'hui, on a internet, on a les let's play, etc. sur internet. Voilà. Tu regardes tu veux pas te faire chier, tu regardes la fin et voilà. Même si c'est pas génial. Alors qu'à l'époque, fallait vraiment te sortir les doigts du fion et y arriver tout seul, quoi. Mm. Les voix faisaient presque François Pérus. C'est pas faux. Au niveau du pitch, enfin de la tonalité un peu assez aiguë des personnages, notamment de Abe. Ouais, je sais pas si tu connais Pérus, toi. Je pense que oui, tu connais William. Oui. En tout cas, voilà. J'essaierai peut-être le début de l'Exode dans mon coin. Et si j'accroche, on verra si je continue ou pas. Moi, je te conseille de faire un... Je sais pas, si tu veux, si tu fais un RPG. Bah, Terranigma, ouais. Mm. J'y
J'hésite entre ça et ou les Mario Land qui sont très rapides à faire. Genre, en une soirée, je les aurais finis ouais, les deux. Oui, mais tu les connais. Hein. Ah, mais mec, ça fait des plus de 6-7 ans que je les ai pas fait. J'ai envie de me les refaire depuis. Même si je me suis entraîné sur le Mario Land récemment. Parce que Terranima, pour moi, ça fait partie des jeux Super Nintendo à faire. Tu m'as dit que c'était ton top 3 des jeux SNES, je crois. Ouais. Je t'avoue que ce jeu m'intrigue énormément. Bah, il est. Bah, moi aussi, en fait. Et tu sais, en plus, tu sais qui c'est qui m'avait. Bah, justement. Enfin, la seule personne qui avait parlé du jeu, c'était Tori sur. Ah. Sur Pan.fr. Et parce qu'elle, je crois que c'est son jeu vidéo préféré. Oui, je crois. Je crois. Et quand j'ai fait le jeu, j'ai compris après. Je me suis dit, ouais. Ouais, je comprends. Quand t'es petit, à mon avis, enfin moi je l'ai fait bon il y a pas longtemps, hein, il y a 2-3 ans peut-être. Mais putain, quand t'es petit, même à l'époque, je pense, quand tu fais ce jeu, t'es waouh, t'es en mode waouh. Parce que moi j'avais fait la première heure de Terranigma. Et bon, là gros hors sujet, vous inquiétez pas, on va pas trop traîner. Mais la première heure, la musique était géniale. Et bah, justement, la direction artistique, les décors, c'était magnifique. Et j'étais entré dans le premier donjon, je crois que j'avais été jusqu'au bout. Je sais plus, je me souviens même plus du boss, hein, si j'avais été jusqu'au boss. Et j'avais trouvé ça un poil répétitif, je crois, de souvenir. Et on m'a dit que les tours étaient quasiment toutes les mêmes, enfin, au niveau de la répétitivité des tours et tout. Bah, c'est le début en fait, c'est juste le début en fait, c'est juste un tuto en fait. Ah d'accord. C'est le début, c'est juste un tuto en fait. Les, non, les tours tu, là, tu me rassures là. Les 3-4 tours au début, c'est juste un tuto en fait. Ça, tu vois, t'as rien vu du jeu là. Tu me rassures parce que moi je sais plus où j'avais lu ça, enfin, peut-être une connerie, je sais pas si le mec avait fini. C'est une connerie. Hein. Et moi j'avais cru comprendre que jusqu'à la fin du jeu c'était le truc des tours en fait. Non. C'est comme si tu t'étais arrêté. Attends, je réfléchis en comparaison. C'est comme si dans A Link to the Past, tu t'arrêtais après être sorti du donjon au début là. Sérieux? Ah bah ouais, d'accord, moi c'est le tout début quoi. Voilà. C'est comme tu disais, ouais, le jeu était un peu nul quand même. Non, mais du coup je vais vraiment le faire, je pense qu'il t'as rien vu. Je vais mettre quoi, 10 heures à le faire, 15 heures peut-être, je sais pas. Ou pas mal quand même, pas mal de temps, mais le jeu est très spécial. Très spécial le jeu. En fait, au niveau du gameplay, bah, c'est un peu comme Xenon Gears, il est sympa au début, mais après c'est très répétitif parce que tu sais ce qui marche très bien et ce qui ne marche pas. Mm-hmm. Mais par contre, au niveau de l'ambiance, au niveau des musiques, au niveau de la DA, au niveau de. J'allais dire au niveau de l'histoire, mais bof. Justement, je voulais parler de l'histoire, je voulais pas te couper, c'est que l'histoire, je pense qu'il n'y a pas énormément de texte, pas comme avec Xenon Gears. Non, elle est un peu bateau l'histoire, mais. Parce que moi, je m'arrête souvent, tu vois, à lire, donc je me dis si on met 20 heures à cause de ma lecture. Enfin, si, il y en a, mais c'est pas le scénar, quoi. C'est plus pour te dire, bon, bah, fais ça. Mais c'est au niveau de l'ambiance, au niveau du concept du jeu aussi. Bah, pour finir sur l'histoire, moi j'aimerais bien juste que ça m'apporte un truc. Genre à la fin du jeu, je me dis pas, ah bah c'était pas intéressant, ou au moins une touche originale ou un truc. Non, que c'est. Je me dis, ah non, genre. Mais le. En fait, c'est pas l'histoire. L'histoire est pas. Enfin. Le scénario est pas intéressant en soi, c'est le concept qui est intéressant. C'est vrai. Oui, mais je te l'ai expliqué, mais je crois que t'as oublié en fait. Je crois que tu m'as dit que le mec, c'est pas délivrer le monde, c'est raviver la lumière, ramener la lumière dans le monde, ou créer son propre monde. Enfin, je sais plus exactement ce que tu m'as dit par rapport au monde. Bon bah t'as oublié, tu verras alors du coup. Ouais. Je crois que c'est éveiller le monde, parce qu'au début c'est très très sombre, je trouve. Je crois qu'il y a une espèce d'ambiance dark avec de la lave et tout, je crois qu'il y a ça, un truc comme ça, je sais plus. Tu t'as oublié donc. Et les couleurs très chaudes, la map est plutôt rouge. Et t'as un espèce de rouleau en fait sur la map. C'est assez bizarre d'ailleurs la technique utilisée. Ouais. Bref, je fais un HS total, mais le Let's Soja. Mais toi, tu vas me forcer à aller en acheter depuis le temps que tu m'en parles. C'est tellement bon, frère. C'est triste qu'ils vendent pas ça en pack de 6. C'est vrai, il n'y a pas des packs. Bon. Et tu dis faire un petit crash entre deux, pourquoi pas. Mais ça fait rager dans Crash, je crois. T'as déjà fait Crash ou pas? Non, aucun. Putain. Aucun, zéro. T'as fait aucun Crash? Aucun Crash, je sais que le 3 c'est Warped, c'est là où tu traverses le temps à travers différents mondes et c'est très sympa. Bah, essaye de faire le 1, mais non, ça, tu rageras moins que dans Abe normalement déjà. Ah, en fait, ma rage elle vient pas de n'importe où, elle vient de si le jeu est bien foutu ou pas. C'est-à-dire que si c'est net et précis en termes de gameplay. Bah, par exemple, là dans Abe, un des petits trucs que je peux reprocher notamment, c'est, bah, on en a parlé tous les deux, même toi t'es d'accord, c'est l'espèce de petit temps de latence, tu vois, quand tu fais des sauts parfois ou quand tu glisses, oui. Tu vois. Et en fait, c'est pas tant ça le problème, c'est que le fait que ce soit lié au fait que ce soit un système de cran dans ce jeu. Et comme c'est un système de cran qui est très précis et très exigeant, et bah le petit temps de latence, bah, c'est extrêmement, pas pénalisant, mais
Disons que si c'était corrigé, je pense que j'aurais beaucoup plus pris mon pied sur ce jeu, c'est ce que je veux dire. Je pense que j'aurais beaucoup plus apprécié, tu vois. Mais bon. Bah ouais, ouais, ça dépend. Mais le, par contre, le 1, c'est le plus dur de Crash. C'est vrai. Mais Mais je suis curieux de voir si justement... je vais m'en prendre qu'à moi-même ou je vais pester sur des trucs. Mais normalement, non, tu vas en prendre qu'à toi-même. Mais le... Enfin... Moi, je préférais que tu fasses Terranima. En fait. Enfin, après, c'est comme tu veux, mais c'est vrai que... Bon, non, mais t'inquiète, parce que Terranima, ça fait un bout de temps que je le repousse et là, je vais me le faire. Ouais, parce qu'à force... Peut-être une soirée entre les deux où je vais peut-être faire le LA Mario Land, mais on verra. Tout dépend si t'es dispo ou pas. De toute façon, il y a bien des moments où tu seras pas là et puis je ferai du... Attends, pardon, j'étais en train de lire... T'as dit quoi pour Mario Land? Non, mais je dis... voilà, et en fait, c'est juste une soirée, c'est-à-dire que Mario Land, je... A priori, ça devrait aller comme sur des roulettes vu que je les ai fait à l'époque. Donc, si jamais je l'ai fait, ça va être extrêmement rapide. Et le soir suivant, je pense que bah, si t'es dispo, je te solliciterai. Ou si t'es pas là, de toute façon, comme je disais, il y a bien des moments où tu seras pas là et que j'avancerai tout seul sur Terranima. De toute façon, les deux, ça, je vais sur les deux. Tu peux avancer tout seul sur Terranima, surtout qu'en plus, moi, je t'avoue que là, je vais un petit peu. Ah non, mais ponce Sekiro, je sais que t'es à fond dessus, donc. Enfin, que tu te concentres sur le jeu. Mais c'est pas que ce moment. Non, c'est pas ça, c'est que. C'est que Terranima, je veux pas des masses t'aider. Enfin, là, je suis Rabe, je pouvais t'aider et tout. C'est l'intérêt que je fais. Terranima, oui, c'est. Je pense qu'après. Enfin, c'est pas un jeu, je l'ai fait qu'une fois le jeu, je l'ai fait qu'une fois et. Il y a pas mal de trucs qui m'ont échappé entre temps. Enfin, au niveau de. De toute façon, c'est de l'action, c'est de l'action plateforme, c'est ça? Plus de l'action que de la plateforme. Non, c'est pas. Non. C'est une action-aventure, quoi, surtout. C'est plus d'action-aventure, ouais. Donc, t'avances, tu slashes, il y a 2-3 énigmes, j'imagine. Il y en a pas mal, oui. Je pense pas que je sois bloqué éternellement sur une énigme ou plusieurs énigmes du jeu, honnêtement. Ça peut arriver, c'est ça le problème. Ça peut arriver. Il y a des trucs, c'est très compliqué. Enfin, sans... il me semble que le jeu, j'ai pas mal checké la solution. C'est vrai. Donc à la limite, mon seul intérêt en fait serait de checker Solus en live. Plus compliqué que certaines énigmes de Illusion of Time. Ah mais je sais pas si tu l'as fait par contre. Non, j'ai testé les Out of Time mais ça m'avait fait chier donc j'ai pas joué. Putain, c'est méchant. Du coup, Terranima, je me rappelle avoir sorti la Solus quelques fois parce qu'il y a des trucs, c'est compliqué de le savoir. Terranima par contre, il te compte. Seul intérêt, ouais. Seul intérêt, ça serait ça. C'est faux, Crash premier est pas plus difficile que les autres en 1%. Putain, j'ai réfléchi. Alors moi je sais pas du tout. Je sais pas, moi c'est ce que... Enfin personnellement moi c'est mon ressenti, et c'est ce que la plupart des gens disent et de mon ressenti également. Moi je suis pas quand j'étais petit, moi je me rappelle plus avoir galéré sur le premier que sur les deux autres. Hein. Mais c'est vrai que c'est à peu près similaire, ça doit être pas beaucoup alors. Enfin je sais pas. Bon, mais ouais, oui, en tout cas... Terranima, ouais, c'est ça quoi. Enfin ça c'est que au niveau des... Au niveau des, de la Solus, voilà quoi. Ce serait mon seul intérêt en fait. Bah écoute, de toute façon, je vais me les faire très bientôt, Terranima et les Mario Land. Ce qui me rend malheureux par contre, c'est de pas entendre la musique du jeu qui est superbe. Oh, tu peux te réécouter l'OST sur YouTube. Ouais, bah c'est déjà fait plein de fois. Il y a une musique, mais les musiques elles sont. Allez, bonne soirée, Kukomi, nous aussi on va y aller de toute façon. Ouais. Bonne soirée, à tout le monde, merci d'être passé. Oui, j'ai peut-être pu donner l'impression que j'ai pas mal pesté sur Aim, mais franchement, c'est un jeu qui est bien fait. J'aime bien, c'est que après coup, en général, tu rages très souvent et après, c'est. Ouais, le jeu était bien en fait. Hein. Non, il est bien, par contre, il faut que je sois totalement honnête, je lui donnerais pas une note excellente, tu vois. Je vais pas lui mettre un 17-18. Ouais, tu mettrais 6, quoi. Non, 10. Honnêtement, je mettrais. 7. Allez, si je suis généreux, je mets 15, tu vois. Mais sinon, je suis généreux. Je pense que pour l'époque, la note aurait été un peu plus élevée. Là, aujourd'hui, je dirais, à faire. Franchement, je mettrais un 14. C'est pas mal, 14 déjà. Aujourd'hui, maintenant, un 14, genre sur JVC et tout, bah, les gens disent « Oh, 14, c'est nul !» Tu vois, ils s'attendent tout de suite à une grosse note, les gens. Dès que tu leur mets pas du minimum 15, 16, 17, « Oh bah, c'est quoi ça ? Oh bah, vas-y, laisse tomber, il est nul ton test, t'as rien compris, tu vois. » Sauf que 14, excusez-moi, c'est bon. Enfin, c'est... À partir de 10, tu peux te dire oula, en dessous de 10, non, là c'est pourri. Mais je lui mettrais 14-15, ouais. Je dirais 14 sur 20, moi, Abe. Toi, tu lui mettrais plus, j'imagine. Après, c'est. 20. Voilà, je pense. J'étais sûr. Après, si tu les as fait dans l'ordre, c'est logique que le premier paraît plus difficile. Après, oui, il y a peut-être une question de découverte, Unli. Hein. C'est vrai que la découverte, après. Si la mécanique est la même dans les différents jeux, c'est vrai que.
C'est comme Dark Souls, genre le premier que t'as fait, j'imagine que c'était celui que t'as trouvé difficile et après t'as peut-être plus roulé sur le 2 ou sur le 3, non, Shiro? Pas tant que ça. Hein. Pas tant que ça. Par contre, j'ai trop soif, donc je vais me chercher à boire et du coup, bah. Non, mais du coup, on arrête le live et on se dit rendez-vous après sur Skype. Donc, merci à tout le monde d'être passé. Bonne soirée. Moi, je re. On se donnera rendez-vous très bientôt pour un nouveau let's play sur un nouveau jeu. Je ne sais pas encore quoi. Si vous avez écouté, vous savez un peu ce qui va se passer. Je vous dis merci à tous. Merci à ceux qui regardent en rediff. N'hésitez pas à laisser un like, wesh. J'aime pas dire ça, mais écoutez, c'est quand même important pour le référencement, tout ça. Merci à tous. À très bientôt. Des bisous. Au revoir. Salut. Suis-moi.